n'ont pas eu le vaccin. Bonsoir à tous. Bienvenue au CHR d'Orléans. Ça fait plaisir. Depuis deux ans, c'est difficile de regrouper beaucoup de monde autour de la recherche et de la communication. Et ça fait plaisir de revoir cet amphi plein comme ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui réunis dans le cycle de conférences Sciences et Confiance. Ce cycle a été créé en 2018 entre des universitaires de l'Université d'Orléans, ici présent, donc Corinne Leveleux-Texera, Sabine Bertenera-Boin et Karine Laurent-Bouteau, qui sont des professeurs et maîtres de conférences de l'UFRST et de la Fac de droit, économie et gestion, mais aussi des hospitaliers, Pascal Gauthier ici présent, Thierry Prazuc, docteur Lespessaille, et plein d'autres, mais aussi de nos collègues de CNRS. L'idée, c'est de ce cycle Sciences et Confiance, c'est d'arriver à faire un travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire, mais surtout aussi d'arriver à communiquer au public les travaux de recherche, les sujets qui intéressent dans le domaine des sciences, notamment le domaine de la santé, mais aussi dans les domaines de droit. Et on parlera aujourd'hui, on va même parler au niveau philosophique et social. Ce cycle science et conscience a déjà partagé quatre conférences au préalable. Le rythme, il était un peu amorti par le Covid, mais là, il reprend ce rythme-là de conférences. Et donc, on a déjà présenté des conférences sur le PMA, sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, vous l'avez bien compris, l'objet de cette conférence, c'est la vaccination. Le sujet de la vaccination a été mis en place, je pense, même avant le Covid, avec docteur Prazuc, mais on ne l'a pas fait par l'arrivée du Covid. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de parler de vaccination de façon générale, mais je pense, avec ce qui se passe depuis deux ans, ça sera plus orienté vers le Covid. Avant de rentrer dans les détails, je souhaite passer la parole à la direction de l'hôpital, qui soutient l'ensemble des projets de recherche, qui soutient l'ensemble des projets de collaboration à l'échelle régionale et nationale, notamment les collaborations très importantes avec l'université, avec le CNRS, avec l'INRA, avec l'université de Tours. Donc, je passe la parole à M. Olivier Boyer, qui nous soutient depuis plusieurs années sur l'ensemble des travaux de recherche en lien avec la santé.
Bonsoir à tous, mesdames et messieurs les élus, les docteurs, les universitaires. Excusez-moi de mon retard, mais j'étais retenu au téléphone avec une difficulté. Et il y en a beaucoup aujourd'hui à l'hôpital. Pardonnez-moi. Je ne vais pas être très long. D'abord, merci. Bienvenue à vous tous pour ce moment d'échange sur un sujet d'actualité scientifique, philosophique et éthique. Je crois qu'on va avoir toutes les approches. Et ça va être passionnant. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, si ce n'est pour dire qu'effectivement, on tient beaucoup à nos travaux en symbiose avec l'université, avec le CNRS, avec tous nos partenaires qui font progresser la prise en charge des patients à l'hôpital d'Orléans, comme dans le département, notre territoire. Et nous en avons besoin, et c'est ce qui nous motive tous les jours pour continuer à travailler. Merci à tous, et puis bonne conférence. Merci, Monsieur Boyer. Donc, on revient sur notre sujet ce soir, qui est la vaccination. Il y a beaucoup de questions qui se posent en France et dans le monde depuis plusieurs années, car le Covid est traité d'une façon un peu différente des autres problèmes viraux. Et pourquoi ? On verra ce soir pourquoi ce sujet-là, depuis 2 années, on entend beaucoup parler, on entend des médecins qui parlent, on entend des journalistes qui parlent, on entend des juristes qui parlent. Et finalement, c'est vrai que ça fait un peu, voire beaucoup de questions, parce que tout le monde, sur ce sujet-là, où on n'est pas habitué, je ne pense pas qu'on ait l'habitude de voir différentes personnes parler du virus de la grippe ou de traitements de ces virus, mais on parle, tout le monde a le droit aujourd'hui, que c'est mondial, c'est pas qu'en France, tout le monde a le droit de parler du Covid, est-ce qu'on se vaccine, est-ce qu'on ne se vaccine pas, et du coup, l'intérêt aujourd'hui de communiquer au public, communiquer de différentes formes, sous différentes formes, parce que c'est ça la société, il y a le rôle des médecins, c'est très important, mais il y a le rôle des juristes, il y a aussi le rôle des philosophes, et ce soir, on va essayer de donner la parole à tout ce monde. Alors, donner la parole ce soir, on n'a pas choisi de donner la parole à tout le monde. Comme vous le voyez ici, la vaccination, on va essayer d'avoir des spécialistes pour nous expliquer comment ça marche. On va parler aussi sur le plan juridique. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Sur quels critères? Et surtout, qui détermine les règles? Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on voit certains citoyens, ils veulent bien se faire vacciner et d'autres non, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questionnements. Pour aborder ces sujets-là, pour apporter des éléments de réponse, nous avons invité des collègues du domaine de la santé qui vont nous expliquer la base et les bases de ce vaccin. Nous avons invité notre collègue de droit et nous avons invité un collègue philosophe représentant la société. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est l'économie. Vous avez vu, je l'ai mise en rouge. Parce qu'on a choisi de ne pas parler de l'économie ce soir, parce qu'on a porté un intérêt particulier pour le patient et la société ce soir. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous avons invité docteur, c'est pas dans un ordre, c'est plus dans l'ordre de communication, docteur Thierry Prazuc, donc, qui est un médecin HDR, qui a l'habilité à diriger la recherche aussi, et que je ne sais pas si vous avez regardé récemment les journaux, qui nous a permis à la région Centre d'avoir un article dans le journal Nature. C'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours en France, c'est très peu. Et donc, nous sommes fiers aujourd'hui de recevoir Dr Prazuc qui va nous expliquer le fonctionnement de ce vaccin. Nous avons invité côté juriste, droit, Aurélie Petitfili-Gedge, qui est MCF en droit privé et sciences criminelles de l'Université d'Orléans. Et nous avons invité aussi M. Sylvain Teuil, qui est professeur agrégé de philosophie lycée Jean Zay. Avant de leur passer la parole, je veux passer la parole d'abord à Dr Pascal Gauthier, qui est membre fondateur de ce cycle de science et conscience, mais qui va aborder plutôt le côté éthique de la vaccination, parce que c'est très important de remettre les choses dans leur cadre. Et donc, on va essayer de vous présenter la vaccination dans ce cadre éthique. Donc, Pascal, merci d'avoir encore une fois répondu présent. D'ailleurs, tu étais présent dès le début, parce que tu étais membre fondateur, et je te cède la parole. Merci. Ça marche, oui. Je pense que ça marche. Vous m'entendez, là? Non, c'est... Si, je pose
Alors, sujet d'actualité, hein, on vient de le dire. Pour l'anecdote quand même, on avait en fait préparé ce sujet fin 2019, bien avant qu'on sache ce qui allait arriver, et la conférence était prévue pour mars 2020, et donc forcément, elle n'a pas pu avoir lieu. Alors, je reprends un petit peu et rapidement ce que vient d'amorcer l'Ivoirien, etc. J'attends qu'ils le mettent. Alors, on dit, le cycle de conférence s'appelle Science et Conscience. On aurait pu dire d'ailleurs Science avec Confiance. Je fais référence là, bien sûr, à l'ouvrage d'Edgar Morin, qui s'applique bien, je trouve, à l'esprit de ces conférences. Notamment le sujet de ce soir, mais les autres sujets aussi qu'on avait abordés, notamment par la complexité, cet aspect-là, alors qu'il définit comme un tissu, complexus, c'est ce qui est tissé ensemble, de constituants hétérogènes inséparablement associés. En gros, l'ambition, dit-il, c'est de la pensée complexe, c'est de rendre compte des articulations entre des domaines disciplinaires qui sont brisés par la pensée disjonctive. Par conséquent, il faut savoir distinguer les spécialités sans disjoindre. Donc c'est un petit peu tout l'esprit des conférences. Alors, sujet d'actualité, je disais, notamment à l'égard des problèmes qui a trait aux questions d'ordre médical, à la politique vaccinale actuelle, aux contraintes de divers ordres. Mais en fait, ces questions sont-elles bien nouvelles? Je vais faire un petit retour en arrière. La variole, ou la petite vérole, elle s'appelait comme ça. C'était le premier grand fléau endémique du siècle des Lumières. Elle est à l'origine à peu près de 10% de la mortalité. En gros, un tiers à un quart des patients infectés en mouraient. C'est appelé d'ailleurs le fléau des familles. Pour Orléans, en 1790, on a compté 14 000 morts par variole. Pour les survivants, ça pouvait laisser d'importantes séquelles, hein, cutanées, et voire même oculaires. Et pourtant, une pratique préventive était déjà connue en Chine et en Orient de longue date. Notamment, les mères inoculaient, alors par scarification, le contenu d'une pustule d'un patient infecté qui n'était pas trop malade. Et en particulier, pour la petite histoire, les Turcs la pratiquaient pour préserver l'aspect physique des femmes à marier et à prostituer. Donc par ce biais, la virulence était atténuée en comparaison avec la voie habituelle de transmission qui était aéroportée. Alors cette technique de variolisation, donc, ou d'inoculation, a été importée en Europe, d'abord en Angleterre, en 1720, par Lady Montagu, qui était fille de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, en Turquie. Alors elle-même avait été infectée, elle en avait gardé des séquelles cutanées, son frère en était décédé. Donc sur place, elle avait déjà fait inoculer son fils, puis à son retour en Angleterre, elle fit inoculer donc sa fille. Et elle entendait bien défendre cette méthode en Angleterre. En gros, on dirait que c'est une influenceuse maintenant, d'ailleurs. La technique s'est donc répandue en Europe et même au-delà par la suite. Elle a été introduite en France en 1756, alors que Théodore Tronchin inocula les enfants du duc d'Orléans. Et puis finalement, on s'est aperçu que dès le début de cette mesure préventive, eh bien, ça a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de controverses, des polémiques, et ceci pendant plus d'un siècle. Vous allez voir que finalement, on retrouve peu ou prou les mêmes questionnements qu'actuellement. Alors, pour faire simple, on pouvait distinguer, de manière un peu caricaturale, les partisans et les opposants, chacun d'ailleurs faisant valoir ses propres arguments. Alors, pour les opposants, c'était un remède de bonne femme. Tout était dit, Lady Montagu, les mères qui le pratiquaient en Orient, donc un remède empirique et exotique qui venait de loin, et puis en plus, ça tranchait avec la théorie des humeurs de l'époque. On soulignait les risques, qui étaient d'ailleurs réels, de contracter la maladie en raison de l'inoculation, mais aussi par là même de contaminer l'entourage, par ce biais. Chaque cas, d'ailleurs, était mis en avant comme une démonstration de la dangerosité du procédé. De nombreux signalements ont été faits à la police contre des projets d'inoculation dans les lieux fréquentés. Il était demandé, on l'imposait même d'ailleurs, de mettre en œuvre des mesures de confinement et d'éloignement des vaccinés. D'ailleurs, le Parlement de Paris, le 8 juin 1763, avait fait défense de pratiquer l'inoculation dans les villes et les faubourgs du ressort de la cour, histoire de les éliminer.
Il était aussi souligné le risque de transmettre d'autres maladies par le biais de la sérification, notamment la grande vérole, c'est-à-dire la syphilis, entre autres. Et d'emblée, se posait la question en fait, du choix entre, d'une part, un risque individuel et, d'autre part, un risque collectif. Et ce débat a grandement agité les philosophes de l'époque, dont Kant, d'ailleurs. Et puis, pour certains, puisque des mesures d'hygiène, d'isolement des malades et des mesures de quarantaine avaient suffi, en partie du moins, à freiner et à limiter certaines épidémies, comme la peste ou la lèpre, par exemple, eh bien pour eux, la variolisation ne se justifiait plus. Pas besoin de prendre d'autres risques supplémentaires. Et puis, enfin, on accusait certains praticiens de promouvoir l'inoculation, notamment puisque ça officiait beaucoup dans les milieux mondains, plus pour en tirer finalement des grands profits que par intérêt médical, soulignant d'ailleurs au passage le risque d'inégalité d'accès aux soins, pourrait-on dire actuellement. Concernant les partisans, alors il y avait beaucoup d'autres arguments également, concernant les partisans, alors eux défendaient leur position en s'appuyant sur des preuves et des chiffres. Ça me rappelle le slogan qu'on voit à la télé, les chiffres ne s'y discutent pas, il y avait la discussion entre familles. D'ailleurs, lorsque Lady Montagu présentait à la princesse de Galles le procédé, et avant de l'appliquer aux enfants du souverain, eh bien, elle avait fait demander que le procédé soit expérimenté sur des détenus, hein, c'est tout trouvé, de la prison de Newgate. Alors ça, c'était en 1721. Donc il était donc prévu de les gracier, s'ils acceptaient, s'ils se consentaient, et puis s'ils survivaient surtout aussi. Alors en fait, 6 prisonniers ont été inoculés, ils ont tous survécu. Ils furent graciés et les enfants royaux inoculés. Donc on avait démontré par là même l'innocuité de la méthode, surtout à l'égard de la famille royale. Plus tard d'ailleurs, d'autres essais ont été faits sur des enfants abandonnés, sur des orphelins, ce qu'on appelle maintenant des corps vils. Concernant les chiffres, l'époque des probabilités, donc Daniel Bernoulli, en appliquant le calcul des probabilités au domaine médical, a démontré en 1760 que le risque de mourir de la variole naturelle est 13 fois supérieur à celui de mourir de variole artificielle. Et qu'en étendant la pratique de l'inoculation, on arriverait, avait-il calculé, à sauver environ 60 000 personnes par an en France. Il avait d'ailleurs même calculé l'intérêt économique. Alors, l'intérêt, la portée, surtout l'impact de ces chiffres était tempéré, notamment par Jean Leron d'Alembert, qui était philosophe et lui-même mathématicien. Alors il disait « Il ne faut pas trop se presser de réduire cette matière en équations et en formules en précisant qu'il y a bien un paramètre impossible à chiffrer, celui qui tient à l'individu et à l'affectif, notamment quant à l'implication de moyennes statistiques sur des choix individuels. » Il parlait d'ailleurs d'arithmétique politique ou politicienne. Quant à Auguste Tissot et à Diderot, eux, ils faisaient primer le bien commun sur l'intérêt individuel. Charles-Marie de la Condamine, alors lui, il était explorateur, scientifique, encyclopédiste, hein, ils avaient beaucoup de fonctions à l'époque. Alors il formula cet aphorisme un petit peu choc. « La nature nous décime, l'art nous millésime », l'inoculation. Après l'inoculation des enfants de Louis XVI, il avait lui-même été inoculé en 1774, on pouvait lire dans le Mercure de France, donc une revue de l'époque, sous la plume d'un médecin montpelliérain, « Heureusement, les médecins n'auront plus à lutter contre les préjugés. Les mères de famille ne s'opposeront plus aux avantages que leurs enfants retireront de l'inoculation, et la fausse prudence ne se glorifiera plus de mettre des entraves à l'amour du bien public. » Alors, diverses interrogations, on en a vu quelques-unes, mais toujours actuelles, étaient aussi soulevées. Les droits de l'individu s'épuisent-ils dans la nécessité collective? Autrement dit, l'intérêt général prime-t-il l'intérêt individuel? Certains exigeaient d'ailleurs des mesures contraignantes, d'autres les écartaient. D'Alembert considérait que l'État ne peut contraindre les particuliers en cette matière, tout en prévoyant une exception. Sauf en cas, disait-il, de danger imminent, de la plus pressante nécessité, comme serait celle de défendre l'État ou de le sauver de sa destruction. Jean-Baptiste Robinet, qui était naturaliste et philosophe, écrivait ceci en 1762. « Tout souverain devrait non seulement permettre, mais même ordonner l'inoculation, parce qu'en qualité de législateur,
il ne peut considérer l'objet qu'en général et le bien des sujets que dans son universalité. Alors un médecin de l'Académie de l'époque, Louis-Pierre Lehoc, abordait la question un petit peu différemment. Il disait « Ce particulier, s'il a des droits sur lui-même, en a-t-il sur ses voisins, sur ses proches, sur toute une ville ?» Enfin, la responsabilité des parents était aussi interrogée. Philippe Guenot de Montbéliard, qui était naturaliste, un proche de Buffon, avait fait connaître sa position. Il écrit « J'atteste que je me suis déterminé à inoculer mon fils que parce que ce parti m'a semblé moins téméraire que celui de le laisser exposer à tous les dangers de la petite vérole naturelle. » Malheureusement, tous n'y survivraient pas. Une obligation d'inoculation fut dictée en 1743 en Angleterre pour les enfants qui entraient dans certains hôpitaux. Le pass sanitaire de l'époque. Et Louis XVI a rendu obligatoire la vaccination contre la variole dans les écoles militaires en 1786. Alors, la découverte de Pargener en 1796 de la vaccine, alors produit à partir de la variole des vaches, c'est la Coupox, je pense que le Dr Prasuc en parlera rapidement, n'a pas modifié finalement les craintes. On s'interroge alors sur cette dangereuse nouveauté, les vaccins nouveaux, sur ce virus vaccinal qu'il s'il s'étendait, je cite, « pourrait bien faire marcher à grands pas l'humanité vers son extinction totale ». C'était très pessimiste. On craint l'empoisonnement par le transfert à l'homme de fluides de provenance bovine. Alors, c'est la thèse de la minotaurisation. Et on met même en garde contre ces doctrines économiques importées d'Angleterre, qui pourraient d'ailleurs donner quelques idées à certains. Pour autant, malgré le développement des ligues antivaccinales, l'Angleterre adopte ses premières lois vaccinales en 1853, en interdisant notamment l'accès des ouvriers aux usines sans vaccination. La Suède prévoyait la même année les amendes en cas de refus. La Norvège instaurait un passeport scolaire vaccinal. Et Bismarck étendra l'obligation à l'ensemble de l'Empire en 1874. Quant à la France, la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique l'a rendue obligatoire, donc dès la première année de la vie, avec des rappels. Alors bref, après ce rappel historique, on va revenir un petit peu plus à notre actualité, mais vous avez constaté, avec les interrogations, de nombreuses similitudes. Alors que nous dit la science médicale au sujet des nombreux vaccins désormais disponibles, et bien évidemment de ceux et de ceux qui nous préoccupent maintenant. Donc cette tâche est confiée au docteur Thierry Prasuc. Le droit également est sollicité. L'obligation vaccinale est-elle compatible avec les droits fondamentaux? Constitue-t-elle une atteinte au principe d'inviolabilité et d'intégrité du corps humain? Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée? Et dans l'affirmative, peut-on y justifier? Aussi, comment le droit fait-il respecter l'obligation vaccinale? Il reviendra à Mme Aurélia Piacitelli, je m'étais entraîné pourtant Gage, de répondre à cette question, qu'elle me pardonne. Pour finir, avant nos échanges, nous attendons du philosophe, M. Sylvain Je reprends là les mots de Paul Amselec, que telle une chouette nyctalope qui voit et se meut dans les ténèbres de la nuit, il clarifie la conscience que nous avons du vécu des choses et de nous-mêmes et nous aide à dissiper le manque de clarté de nos pensées, les nœuds dont parlait Wittgenstein. Il adoptera en particulier une grille de lecture, je ne sais pas si je me suis pas trop trouvé, amorale, sur les réticents et les opposants à la vaccination. Donc la parole est au docteur Thierry Prasuc. Mais ça commence pas là. Oui, oui, je remonte. Ah. Ça commence là.
Donc bonsoir et merci aux organisateurs de m'avoir convié pour cette conférence. Alors, effectivement, on ne va pas parler que du mécanisme du vaccin Covid. On m'a demandé de parler des vaccinations en général. Bien évidemment, on va parler du Covid, puisque c'est d'actualité et qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, comme vous êtes tous vaccinés, puisque vous êtes dans cette salle, j'imagine qu'il n'y a pas trop d'opposants. Les opposants, ils sont là-bas, peut-être derrière la caméra, devant leur ordinateur, et ils auront moins la possibilité de me poser des questions, ce qui me rassure un peu. Alors, dans la problématique qui nous concerne, qui est le Covid, il y a un temps pour la pédagogie, et puis il y a un temps pour prendre des mesures lorsque la situation est grave. Et la situation, elle est grave où ? Dans les hôpitaux, on l'a vu au cours de la première, la deuxième, la troisième vague. Si le Covid était une maladie bénigne, donnant un rhume sans impact sur les systèmes de soins, bien évidemment, le débat serait tout autre et l'obligation vaccinale ne serait pas à l'ordre du jour. Alors, j'ai appelé ma présentation « Clairvoyance ». Entêtement, point d'interrogation ou obscurantisme. Alors, vous pouvez le voir des deux côtés. Hein. Comme Pasteur, on a dit que Pasteur, qui n'était pas médecin, faisait n'importe quoi. Et voilà, donc l'obscurantisme, il peut être vu d'un côté ou de l'autre. Alors, ce problème de vacciner ou non, dans les pays occidentaux au XXe siècle, existe depuis un certain nombre d'années. Là, c'est une revue, un quotidien canadien, québécois, qui se pose la question de vacciner ou ne pas vacciner. Et clairement, bien, dans la population, lorsqu'il s'agit de vacciner les enfants, il y a une immense majorité des parents qui sont pour la vaccination. Mais néanmoins, il reste des vaccino-sceptiques qui, même pour leur enfant, qui est exposé à... qui a une immunité qui n'est pas celle de l'adulte, sont néanmoins opposés à cette vaccination. Et donc, vous avez vu le temps qu'il a fallu pour passer de la vaccination infantile recommandée à la vaccination obligatoire. Ça date de quelques années seulement. Hein, 2011 pour... c'est très récent, puisque c'est au cours ces quatre dernières années que ces vaccinations, ces 11 vaccinations sont obligatoires. Alors, quel est le principe de la vaccination ? Le principe de la vaccination, c'est d'apporter de façon artificielle, et c'est ça qui fait peur, un morceau de l'agent pathogène de la maladie qui ensuite va être identifié par le système immunitaire pour entraîner la production d'anticorps qui seront immédiatement mobilisés, en tout cas au bout d'une quinzaine de jours, lors d'un contact naturel avec la maladie. Puisque lorsque l'on est atteint par la maladie, il y a cette période pendant laquelle le corps ne peut pas réellement se défendre avec des armes spécifiques que sont les anticorps, puisqu'il ne connaît pas la maladie, ou il en a une vague idée par une mémoire biologique qui remonte à nos ancêtres lointains, qui peuvent aller de la drosophile jusqu'à nous-mêmes, et qui sont intégrés dans nos systèmes de base de données. Donc, il y a cette période qui va durer une quinzaine de jours avant que les premiers anticorps se forment lorsqu'on développe une maladie. Et c'est pendant cette période-là que l'ennemi se multiplie, envahit le corps, fait les dégâts, entraîne l'orage cytokinique où finalement le corps va développer d'autres outils pour essayer de se débarrasser de l'intrus et se retournant contre la personne. Alors que, donc, dès que les anticorps vont être fabriqués pour la grande majorité des maladies, eh bien, le système immunitaire va prendre le dessus sur l'ennemi. Donc, cette phase de 15 jours, 3 semaines, pendant laquelle on n'a pas d'anticorps, elle est couverte par cette vaccination, puisque dès que le contact entre l'agent pathogène et le patient
intervient, les anticorps sont aussitôt mobilisés et les usines à fabriquer les anticorps se mettent à tourner à plein régime dès que l'intrus a été identifié par ce qu'on appelle les cellules dendritiques, qui sont des sentinelles qui parcourent votre corps en permanence, qui vont identifier les intrus, qui vont les présenter au système immunitaire, le lymphocyte CD4, qui va ensuite donner les ordres pour fabriquer des cytokines, des anticorps, mobiliser, multiplier les lymphocytes B qui vont fabriquer des anticorps. Alors, ce morceau d'agent pathogène, ça peut être le virus lui-même, comme l'a dit Pascal au départ, un virus peut-être un peu atténué, et il y a des vaccins à virus atténué, ça peut être un virus tué, ça peut être un virus recombinant artificiel. Je vous rappelle que le virus de l'hépatite B, le vaccin contre l'hépatite B est un vaccin recombinant synthétique, artificiel, et puis jusqu'à des vaccins donc à ARN messager. Donc tout ça, ça évolue progressivement. Et on va voir d'ailleurs que les vaccins ARN messager ne datent pas du Covid, ils sont bien antérieurs. Alors, Pascal a parlé effectivement de cette première, le mot vaccination vient de la vaccine de la vache, hein, ce virus, cette maladie. Et pourquoi il a utilisé ce vecteur-là? C'est parce qu'il s'est aperçu que les agriculteurs, qui étaient notamment des éleveurs de bovins, avaient beaucoup moins la variole que ceux qui n'étaient pas agriculteurs. Donc c'était de l'épidémiologie qui s'est dit, ben, peut-être que si j'inocule la vaccine, eh bien, ça va protéger contre la variole. Et c'est ce qui a été le cas. Donc ces premiers vaccins, le vaccin antivariolique de Jenner, était moins pourvoyeur de décès que la forme précédente où on inoculait la variole. Hein. Donc c'est pour ça que ça a modifié les choses. Hein. L'objectif, c'est l'efficacité et la tolérance. Hein. Et de l'autre côté, la maladie, combien de personnes elle tue? Mais donc, assez rapidement, vous voyez dans ce livre qui date de 1890 ou 1896, les 150 raisons de désobéir à la loi qui nous oblige à nous faire vacciner. Et ce sont pourtant des anglo-saxons qui sont plutôt habituellement assez proches des obligations vaccinales, hein, comme notamment les pays scandinaves le sont encore plus que nous-mêmes et les pays anglo-saxons. Alors, que s'est-il passé au cours des années, des 40 dernières années sur la vaccination? Eh bien, il y a eu un certain nombre de découvertes de vaccins qui n'existaient pas. Le vaccin contre la rougeole, ceux qui ont mon âge ont dû faire la rougeole lorsqu'ils étaient petits parce que la vaccination contre la rougeole n'existait pas. La rougeole tue en Afrique de très nombreux enfants. C'est une des principales causes de mortalité et pourtant le vaccin existe, mais les campagnes de vaccination ne sont pas nécessairement mises en œuvre par les gouvernements. Donc, on voit qu'on va augmenter de plus en plus le nombre d'injections, même si on essaie de mettre dans le même vaccin un certain nombre de composants qui vont protéger contre différentes maladies. Voilà. Alors, un exemple d'un calendrier vaccinal, ben là, c'est québécois. En 1985, diphtérie, tétanos, coqueluche, sabin, c'est le polio oral, à 2 mois, à 4 mois. Puis ensuite, à 15 mois, on a le vaccin contre rougeole, oreillon, rubéole. 18 mois, on recommence, etc. Qu'est-ce que ça devient en 2009? En 2009, vous voyez qu'apparaissent des vaccins supplémentaires contre l'hémophilus influenzae, HIB.
cette bactérie, Haemophilus, donnait des méningites extrêmement graves et mortelles chez les enfants de moins de 1 an avant la survenue de ce vaccin. On ne parle plus de cette maladie qui tuait de jeunes enfants cette maladie a presque été éradiquée grâce à ce vaccin utilisé à partir des années il y a environ une trentaine d'années. Le vaccin contre la grippe chez les enfants qui sont à risque, le vaccin contre le méningocée, hein, la méningite ou méningocoque C, etc., l'hépatite B, éventuellement l'hépatite A, ce n'est pas le cas en France, et puis voilà qu'en France, où on en est, avec cette fois-ci non plus des vaccins recommandés, mais des vaccins obligatoires, 11 vaccins obligatoires. Et finalement, on s'attendait à un tollé général, notamment de la part des antivax, qui certes se sont manifestés, mais finalement, eh bien, c'est passé assez facilement, peut-être avec de la pédagogie. Et donc, c'est Agnès Buzyn qui a donné cette obligation vaccinale, qui fait qu'aujourd'hui, on pouvait espérer avoir un taux de couverture vaccinale bien supérieur à ce qu'il était avant. Sauf que le Covid a eu des effets délétères au niveau de la couverture vaccinale, nous le reverrons. Alors, quelles sont les questions qui sont posées par les vaccins? La première, bien sûr, c'est l'efficacité. Est-ce que ce vaccin est efficace? S'il n'est pas efficace, je ne vais pas l'utiliser. Le vaccin contre le paludisme, dont on a parlé encore récemment, a une efficacité de 30%. C'est encore extrêmement insuffisant pour pouvoir le recommander. La tolérance, bien sûr. Alors, quand on parle de tolérance, il y a la tolérance immédiate. Je fais le vaccin. Est-ce que je tombe? Est-ce que je fais un choc anaphylactique? Est-ce que je fais en réanimation? C'était une des craintes principales des vaccins Pfizer et Moderna qui étaient susceptibles de donner un cas de choc anaphylactique pour 100 000 injections. Et finalement, on voit que ce n'est pas le cas. La tolérance à court terme, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les jours ou les semaines qui suivent, la fièvre, la douleur au niveau du bras, éventuellement des effets secondaires délétères qui pourraient entraîner, en tout cas par exemple la variole. Le vaccin contre la variole, même celui qu'on a connu, puisque la variole était éradiquée depuis 1978, donc on ne le fait plus, parce que la maladie est éradiquée. Lorsque toutes les maladies seront éradiquées, on arrêtera de vacciner, bien évidemment. Mais il y a encore des vaccins en réserve qu'on pourrait ressortir et qu'on a ressorti à l'occasion d'un certain nombre d'attentats terroristes puisqu'il y avait la crainte d'avoir de la guerre bactériologique avec notamment on pouvait répandre le bacille du charbon. On pouvait avoir des épidémies de variole et un certain nombre de nos collègues à l'hôpital d'Orléans se sont fait revacciner contre la variole pour être éventuellement présents et être capables de soigner les autres au cas où il y aurait une attaque bactériologique massive. Et puis enfin, il y a la tolérance à long terme. Alors là, c'est le point d'interrogation et c'est un des principaux éléments qui est soutenu par les antivax. C'est qu'est-ce qui va se passer pour moi dans 20 ans si je fais ce vaccin? Est-ce que je ne vais pas avoir telle maladie? Est-ce que je ne vais pas mourir? Donc vous voyez, les choses sont centrées sur l'individu. Donc pourquoi cette défiance est maximisée pour les vaccins et qu'elle l'est moins pour les traitements médicamenteux? Parce que finalement, des traitements médicamenteux, ils ont été utilisés dans beaucoup moins de cas avant d'être mis sur le marché. On le verra. Donc c'est des études de phase 3 qui vont ensuite conduire à la commercialisation de ces produits. La différence, c'est que lorsque vous avez un médicament, c'est que vous êtes malade. Et alors là, savoir quels sont les effets secondaires à court terme, à moyen terme ou à long terme, l'important, c'est d'en guérir le plus rapidement possible. Et donc, c'est sa propre vie, sa propre existence qui est en jeu. Alors que dans le cadre du vaccin, on n'est pas malade.
et on nous dit d'injecter quelque chose, et on se dit que finalement, on est capable de passer à travers les mailles du filet. On est capable de faire attention, et donc on ne sera pas contaminé. Voilà, donc c'est la grosse différence, et les médicaments qui sortent sont extrêmement plus, entre guillemets, toxiques, ont des effets secondaires plus importants, plus la maladie est grave, et plus on accepte les effets secondaires, et plus la maladie est légère, et moins on acceptera de commercialiser ce type de produit. Alors, quelle est l'efficacité, rapidement ? Je vais prendre un exemple qui est la coqueluche, parce que la coqueluche, ça ressemble au Covid en termes de, de type de transmission, puisque c'est une transmission aérienne avec les gouttelettes lorsque l'on tousse. C'est une bactérie. On a un R0 qui est entre 14 et 17, donc vous voyez, très supérieur à ce qu'on a pour le Covid, avec un seuil d'immunité de groupe à 90-95%. Alors, l'homme est le seul être, le seul hôte connu. Et la problématique de la coqueluche, c'est que quand vous faites une coqueluche et que vous avez 50 ans, vous allez faire une toux chronique qui va durer pendant un mois. Vous n'allez pas être bien, vous allez être fatigué, mais finalement, vous allez en guérir. Alors, la coqueluche, ce n'est pas une maladie immunisante, et le vaccin a une efficacité qui n'est que de 10 à 15 ans. L'objectif de la vaccination contre la coqueluche, c'est de protéger les enfants entre 0 et 2 mois, date à laquelle ils ont leur première vaccination contre la coqueluche. Parce que c'est à ce moment-là que l'enfant décède de la coqueluche. Donc les décès, c'est uniquement chez les enfants. Et la stratégie qui est utilisée aujourd'hui pour la coqueluche, c'est ce qu'on appelle la stratégie du cocooning. On va vacciner les parents pour que leurs enfants entre 0 et 2 mois ne soient pas contaminés. Donc, c'est une stratégie altruiste, comme pour le Covid, finalement, où on va se vacciner pour protéger les autres. Sauf que là, c'est son enfant. On va également demander aux grands-parents, si vous voulez voir le bébé, jusqu'à, eh bien, vous avez intérêt à vous faire vacciner, parce qu'il est, à ce moment-là, extrêmement fragile, si par hasard, vous avez la coqueluche et vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc vous voyez, il y a des similitudes. Et quelle est l'efficacité du vaccin ? Bon, il y a eu un certain nombre de vaccins successifs, mais vous voyez clairement que, alors voilà, à partir du moment où les vaccins ont été développés, ils ont eu une efficacité plus ou moins importante, mais significative, jusqu'à avoir, à partir de 1966, le vaccin couplé avec diphtérie, tétanos, polio, avec une disparition des cas de coqueluche. Alors, il y en a toujours encore, hein, tous les ans en France. Et je parle chez les enfants, il y en a chez les adultes. Hein. Il y a eu des épidémies en région parisienne de coqueluche chez des personnes de 50 ans. Et c'est là où on s'est aperçu, effectivement, il y a une vingtaine d'années, que il y avait la couverture, l'immunité vaccinale était totalement insuffisante chez les adultes. Et vous voyez l'efficacité qui est couplée à la couverture vaccinale, où on a atteint 90%. Au niveau international. Alors, les effets secondaires, on en parle, les effets secondaires immédiats, eh bien, les réactions anaphylactiques au vaccin, d'une façon générale, hein, c'est pas le vaccin contre la coqueluche ni le Covid, c'est 1 à 3 réactions anaphylactiques par million d'habitants, hein, et finalement, à partir du moment où il y a, comme pour le Covid, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui ont été vaccinées, on arrive à affiner ces chiffres et se dire, bon, ben, les personnes qui sont à risque, on les vaccine à proximité d'une réanimation, comme ce qui est fait actuellement dans beaucoup de centres, dont Orléans. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, pour les effets secondaires à court terme, on laisse faire les choses? Et on dit, non, l'industrie pharmaceutique, ils veulent absolument commercialiser leurs produits, quels que soient les effets secondaires. Bon, ça, c'est l'exemple du Rotatec, qui est le vaccin contre le rotavirus, qui a été suspect de donner des invaginations intestinales aiguës. Alors, le rotavirus, c'est ce qui donne la gastro-entérite du nourrisson, hein, qui donne donc une grosse diarrhée, mais qui n'est pas mortelle. Il y a eu 28 cas
d'invagination intestinale aiguë chez les enfants. Et la FDA américaine a demandé à ce qu'il y ait une enquête. Donc, au bout de 28 cas, il y a eu une réaction assez rapide pour dire « Stop, on veut savoir ce qui se passe ». Donc, ça a été repris dans les médias avec une interrogation sur ce vaccin et ses 28 cas. Il y a eu des investigations qui ont été réalisées et qui ont conduit à montrer que finalement, sur une population de plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui avaient reçu le vaccin, eh bien, intussusception, là, c'est ce que vous avez, c'est l'invagination intestinale aiguë, avait été vu par le CDC 5 cas. Le nombre de cas attendus chez des personnes, des enfants non vaccinés, aurait été de 6,75. Et donc, en fait, il y a une petite réduction du risque d'invagination intestinale aiguë avec le vaccin. Néanmoins, compte tenu du fait que ce vaccin, qui a coûté beaucoup d'argent au laboratoire pharmaceutique, compte tenu du fait que ce vaccin s'adressait à une maladie relativement bénigne, eh bien, il n'y a pas de recommandation d'utiliser ce vaccin, d'ailleurs, qui est quasiment pas utilisé en France et en Europe, pour le rotavirus. Donc, vous voyez que il y a la prise de conscience de se dire il y a des mécanismes de contrôle. Et ces mécanismes, ils sont efficaces. Et s'il y a le moindre doute, notamment si la pathologie est peu grave, on retire le produit du marché. Et ce n'est pas l'industriel qui fait la loi pour dire qu'il va garder, il va cacher la vérité. Alors évidemment, on a l'exemple du Mediator où la vérité a peut-être été cachée à l'insu des patients. Alors, en ce qui concerne les effets à long terme, eh bien, alors je ne vais pas parler de la sclérose en plaques avec le vaccin contre l'hépatite B, mais prenons le cas de l'autisme et la relation avec le vaccin contre la rougeole. C'est une rumeur, une hypothèse qui a été lancée en 1998, fondée sur 12 enfants seulement. Et on a dit « le vaccin contre la rougeole donne l'autisme ». Effectivement, on a vu une augmentation du nombre d'enfants ou de personnes autistes pendant depuis une vingtaine d'années, liée aussi à une modification de la définition de l'autisme et pas uniquement à une augmentation spécifique de l'autisme. Et puis finalement, il y a une rétractation en 2004. Donc il a fallu 6 ans pour dire non, bah finalement, il n'y a pas eu de relation mais, entre les deux. Mais il y a eu donc cette suspicion qui a été entretenue à partir de... pas grand-chose au départ, mais à partir du moment où il y a des cas, vous avez vu, comme pour le rotavirus, il faut faire une enquête et il faut donner un avis. Et la rougeole, ce n'est pas la gastro-entérite au rotavirus. C'est une maladie qui est potentiellement mortelle, notamment chez les enfants. Voilà la prévalence de l'autisme et la vaccination contre l'aurore. Contre la vaccination contre la rougeole. Le taux de couverture vaccinale, vous voyez, lorsque le taux était à 95%, l'autisme en était ici, et ça n'a pas bougé, et l'autisme est, la prévalence de l'autisme a augmenté, donc il n'y a pas de relation entre les deux. Il faut trouver une autre cause, s'il y en a une. Alors, quels sont maintenant les impacts de la non-vaccination ou de la faible vaccination en France? Eh bien, je vais prendre le cas de la grippe, puisqu'on est dans la campagne de vaccination contre la grippe en ce moment, et que l'on observe que si l'année dernière, il y avait eu beaucoup de vaccins contre la grippe, cette année, il y a une petite désaffection. Et là, je dois dire que si nous nous retrouvons avec une épidémie de grippe et de Covid au mois de janvier, l'hôpital va être doublement submergé. Eh bien, le taux de couverture vaccinale contre la grippe, idéalement, devrait être, chez les plus de 65 ans, d'au moins 65%. Il n'est que de 50%. Et pour les personnes qui ont des comorbidités, qui sont les mêmes que pour le Covid, notamment l'obésité, le diabète, c'est ce que l'on voit, c'est les patients qui arrivent avec le Covid actuellement, ce sont des patients jeunes, des patients qui ont ces comorbidités, qui sont hospitalisés et qui vont en réanimation.
Eh bien, pour la grippe, c'est pareil. Les personnes qui ont des comorbidités doivent se faire vacciner contre la grippe. Ce ne sont que 35% d'entre eux qui sont vaccinés. Et c'est quoi le fardeau de la grippe? C'est 10 000 décès en moyenne par an, mais qui surviennent pendant une courte période, qui est de janvier à mars. 10 000 décès, c'est par rapport à ce qu'on a connu pour le Covid, au moins l'équivalent. Et pourtant, cette vaccination, parce qu'elle marche moins bien, elle marche moins bien parce qu'effectivement, on va déterminer le vaccin en fonction de ce qui se passe dans l'hémisphère sud 6 mois avant l'épidémie et qu'on peut se tromper de souche vaccinale. Donc, 18 000 hospitalisations par an, 90% des décès surviennent chez les personnes âgées de plus de, 65 ans. Pardon, voilà. Et au niveau donc des hôpitaux, ça fait 145 000 jours d'hospitalisation chaque année à cause de la grippe. Et donc ça, c'est simplement la grippe qui vous donne ces hospitalisations avec le et donc avec la pénurie de lits d'hospitalisation que nous avons actuellement. Il serait bien que cette vaccination puisse se faire. Bon, alors il y a les décès et les hospitalisations liées à la grippe, mais il y a également des conséquences qu'on connaît depuis peu finalement, c'est les conséquences cardiovasculaires et neurologiques, puisque lorsque une personne âgée notamment va faire une grippe, elle a 7 fois plus de risques de faire un infarctus du myocarde dans les 15 jours qui suivent et 10 fois plus de risques de faire un accident vasculaire cérébral dans les 15 jours qui suivent la grippe. Or ça, on ne le comptabilise pas au titre de la grippe. Donc en réalité, le fardeau, il est beaucoup plus important. Et puis, il y a eu le Covid. Et le Covid, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on n'a pas été faire vacciner ni ses enfants, ni soi-même. Parce que déjà, soi-même, on attend que le médecin traitant nous dise « il faut vous faire vacciner ». Il n'y a pas de prise en charge, ou très peu, de l'individu par rapport à sa santé. On attend d'être finalement coaché par son médecin traitant, mais la santé, elle appartient à chaque individu. Eh bien, que s'est-il passé? Vous voyez là, sur ce graphique, qu'il y a eu 518 000 doses en moins entre 2019 et 2020. Donc ça, on va le payer, parce que la couverture vaccinale pour toutes les maladies en question, toutes les maladies habituelles, eh bien, elle est en train de chuter. Et si c'est la coqueluche, on aura de la coqueluche dans les années qui viennent, si on ne procède pas à un rattrapage vaccinal. Et compte tenu des pénuries en médecins, on n'est pas sorti d'affaire. Alors, maintenant, si on va vers le Covid et d'une façon générale, quel est le problème que nous rencontrons, nous médecins? Nous avons une parole scientifique. Nous faisons des études, nous faisons des recherches. Et en face de cela, il y a un certain nombre de personnes, qui peuvent être des médecins d'ailleurs, qui vont proférer une parole différente, mais qui, bizarrement, on a l'impression qu'ils sont plus écoutés. Et puis, il y a les people. Les people, ils donnent leur opinion. Djokovic qui dit « Je vais garder pour moi la décision de me faire vacciner ou pas. Il s'agit du Covid. J'espère que tout le monde le respectera. » Juliette Binoche, qui est une admirable actrice, dit « Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux depuis longtemps. Ils manipulent. Les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates. Non à la 5G. » Voilà, on mélange tout. Juliette Binoche. Jim Carrey, lui, a un fils autiste et il est persuadé que c'est l'aluminium ou le mercure qui est dans le vaccin contre la rougeole qui lui a donné l'autisme. Bien que ce soit, on ait vu le problème de l'autisme. Et puis, Robert Kennedy Jr. est un anti-vax très connu aux États-Unis et qui explique que les enfants se font vacciner, ils ont de la fièvre, ils s'endorment, mais 3 mois plus tard, leur cerveau est parti. Voilà. Voilà. Et une seule parole comme ça, ça détruit le langage scientifique qu'on essaie de faire passer. Alors, heureusement, vient à notre secours le docteur Irène Frachon, qui, elle, ne va pas être taxée d'être un suppôt de l'industrie pharmaceutique. Non, puisqu'elle a fait ses révélations sur le médiateur.
eh bien, elle est sortie du bois, bien évidemment, et naturellement, elle a été obligée de rassurer sur la sécurité des vaccins contre le Covid. Alors maintenant, parlons un peu du Covid. Eh bien, les quatre grandes étapes du développement d'un vaccin passent de la recherche fondamentale jusqu'à l'application chez l'homme. Et entre les deux, il y a le développement pharmaceutique, les développements précliniques chez l'animal, notamment la souris, jusqu'au développement clinique. Vous connaissez ça avec les différentes phases qui se passent en phase 1 sur quelques dizaines d'individus, en phase 2 pour rechercher la dose sur quelques centaines, en phase 3 pour voir quelle est l'efficacité sur quelques milliers, mais pas nécessairement plus, sauf que pour les vaccins, c'est plusieurs milliers parce que c'est pas des gens qui sont malades, donc ils vont être au contact éventuellement de la maladie. On va voir ceux qui vont développer la maladie ou non. Voilà. Et puis, il y a cette phase 4 qui est importante, qui nous permet de voir la pharmacovigilance et savoir quels sont les effets secondaires. Et elle a été mise en place pour le Covid très rapidement, puisque rapidement, on a dit « Ah oui, le vaccin Astra va avoir des impacts au niveau thromboembolique, donc faisons attention très rapidement. Hein. » Vous voyez, on ne fait plus d'Astra en France. Et pourtant, le laboratoire AstraZeneca est un laboratoire puissant. Alors, voilà, c'est une situation évidemment tout à fait inédite. Le vaccin a été fait trop rapidement, à la vitesse de l'éclair, 6 mois entre la déclaration de l'épidémie et la mise en place de l'été 7 phase 3. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça. Et ceci a été possible par beaucoup de choses, parce qu'il faut savoir que... donc, là, je vais passer. Parce qu'il y a eu de l'argent. Il y a eu beaucoup d'argent, et l'argent, lorsqu'on veut développer des médicaments ou un vaccin, on n'en a peut-être pas autant que cela. Vous voyez, le vaccin... Alors, Sanofi, c'est les seuls qui ont dépensé 2 milliards d'euros, et puis on n'a pas de vaccin. Bon, voilà. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà. Et puis, vous voyez, Pfizer, ils ont mis presque 2 milliards sur la table, hein. Rapidement, ils ont développé le vaccin, ainsi que AstraZeneca. Janssen a mis un peu moins. D'ailleurs, ils ont un vaccin qui est mauvais, c'est pour ça. Moderna, ils ont mis le paquet. Et puis, voilà. Je ne sais pas combien ont mis les Chinois, parce que leur vaccin, il ne marche pas. Mais le vaccin russe, le Sinopharm, le Sputnik, il n'est pas si mal que ça. Il est à peu près équivalent à l'Astra. Je viens de recevoir les résultats des prélèvements qu'on a reçus d'Algérie et qui ont été analysés par l'Institut Pasteur. Donc, pour ceux qui veulent le Sputnik, ça va peut-être être possible bientôt. Voilà. Bon, donc, mais ceci dit, il faut savoir que ces vaccins, ils ont été faits parce que, on va le voir, il y avait les vaccins à ARN messager. Ça ne date pas du Covid. D'abord, le Covid, c'est un SARS virus, et on en a connu deux. L'épidémie de SARS du début des années 2000 et le MERS-CoV, donc le virus de l'Arabie Saoudite avec le chameau. Et donc, on a eu le temps de l'étudier, de l'analyser. On le connaît, et le virus est juste un cousin. Donc, ce n'était pas un virus tout nouveau, comme le virus du sida, où il faut trouver un médicament et un vaccin tout de suite, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc, on a ces antécédents. Et puis, les vaccins à ARN messager, on a commencé à en faire à partir de... on a commencé à en faire sur le Zika, sur le chikungunya, etc. Alors, comment marche ce vaccin? Donc, je vais passer un peu rapidement parce que je suis un peu en retard. Voilà, je vais aller directement sur cette diapositive qui vous montre ce que c'est que l'ARN messager. L'ARN messager, c'est... Beaucoup d'entre vous sont des scientifiques, vous le savez. Donc, c'est une photocopie de l'ADN qui se trouve donc dans le noyau. Et cet ARN messager, on en fabrique tous les jours des milliers et des milliers de copies pour pouvoir être transcrit par les ribosomes pour fabriquer des briques.
Voilà. Donc, d'abord, il y a deux types de virus. Il y a les virus à ARN et les virus à ADN. Les virus à ADN, comme vous savez, un virus doit intégrer une cellule pour pouvoir se multiplier. Le virus à ADN, normalement, il va intégrer le génome humain, il va intégrer l'ADN, donc il rentre dans le noyau. Le virus à ARN, il n'a pas besoin de rentrer dans le noyau. Il va utiliser directement les ribosomes et le matériel au niveau cellulaire, mais il ne s'intègre pas au noyau. Il n'y a que le virus du sida, qui est un rétrovirus. Il s'appelle rétrovirus parce qu'il se retranscrit en ADN et l'ADN s'intègre au noyau. Donc certains médecins ont dit que le vaccin Covid, l'ARN messager, allait se rétrotranscrire pour intégrer l'ADN, c'est totalement aberrant, puisque il faut d'abord qu'il y ait une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse pour cela, et d'autre part, c'est un ARN messager et qui ne va pas rentrer à l'intérieur de l'ADN. Donc on peut être rassuré, l'ARN messager, il est éliminé en l'espace de quelques jours après l'inoculation. Donc l'ARN messager, c'est un code barre. Imaginez un code barre et vous allez vers votre photocopieuse 3D. La photocopieuse 3D s'appelle le ribosome. Donc elle prend le code barre, elle l'analyse, elle dit bah, ça va me donner une brique. Voilà, la brique va sortir de l'imprimante 3D. Cette brique, c'est la protéine spike. La protéine spike du virus, donc le virus Covid, qui est l'élément immunogène. Cette brique va sortir de l'organisme. Voilà, elle sort. Donc, le virus, donc l'ARN messager ici, rentre dans la cellule. Il ne rentre pas dans le noyau. Il est utilisé par les ribosomes. Et ensuite, vous voyez, la protéine spike, elle sort. Elle sort. Elle est reconnue à ce moment-là par le système immunitaire qui va ensuite fabriquer les anticorps. Voilà. Donc, là, le ribosome lit le code barre, il fabrique les briques, l'ARN messager disparaît. Les anticorps sont fabriqués, pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de stimulation, ils s'épuisent, comme nous allons le voir. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'ARN messager, puisque, voilà, donc... Alors, quels sont les freins maintenant à la vaccination ? Les freins à la vaccination sont d'abord, je n'ai pas besoin d'être vacciné puisque je suis en bonne santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, la problématique d'un vaccin, par rapport à un traitement pour lequel on est malade, on a envie d'être soigné rapidement. Et puis, finalement, lorsque on regarde les gens qui sont réticents à la vaccination contre le Covid notamment, alors il y a eu un certain nombre d'études qui ont été réalisées, l'opinion des Français a évolué, et il y a eu cette étude qui s'appelle Coconel, qui a permis de recenser les personnes qui étaient contre le vaccin et de déterminer leur profil sociologique et leurs appartenances politiques. Eh bien, donc ceux qui sont là en vert, c'est ceux qui sont bleus, c'est ceux qui sont d'accord pour avoir le vaccin. Et puis, les autres, c'est ceux qui sont contre. Alors, ceux qui sont contre sont majoritairement les personnes qui vont voter pour Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Asselineau. Et puis là, j'arrive pas à lire, bref. Et la salle. Et également ceux qui vont voter pour Mélenchon, Artaud et Poutou. Il y en a quand même quelques-uns qui votent pour Macron. Et puis les abstentionnistes aussi. Les abstentionnistes sont plus anti-vaccins par rapport aux macronistes, par exemple. Alors, voilà. Je suis désolé, les Républicains ne sont pas cités. Florent. Et donc, lorsque l'on regarde l'acceptabilité, eh bien, il y a deux parmi les 27% qui, au cours de... C'était avant la vaccination. Hein, la vaccination n'existait pas encore. Elle n'était pas encore disponible en France. 27% qui refusaient. 29% parmi les 18-64 ans. Et 12% seulement
parmi les plus de 65 ans. Eh bien, contre la vaccination en général, parmi les plus de 65 ans, ce n'était qu'à un quart d'entre eux, donc environ 4%, 5%, 4%. Et les autres pensaient plutôt que le vaccin ayant été fait dans l'urgence, il était trop dangereux. Alors que pour les plus jeunes, c'est plutôt un côté anti-vaccinal qui était prédominant ou égal entre le vaccin a été fait dans l'urgence et je suis contre la vaccination. Alors l'évolution de l'acceptabilité, là sur cette diapositive, sur les différents pays du monde, c'était donc environ au mois de juin 2020, donc 6 mois avant la vaccination, où progressivement, ça c'est août 2020 et octobre 2020. Donc vous voyez, en août, 59% des Français, alors on était loin à la traîne derrière tous les pays du monde, hein, même derrière la Chine, bien évidemment, la Chine, ils sont tous d'accord, et l'Inde, forcément. Et on recule, plus on s'approche de la vaccination, et plus on reculait en termes d'acceptabilité. Et jusqu'à... c'est vrai, moi, vous me posiez la question à ce moment-là si j'étais prêt à avoir le vaccin contre le Covid ARN messager. J'étais un peu dubitatif. Et petit à petit, on a accumulé un certain nombre de choses. Et finalement, plus le vaccin a été... on s'est rapproché, il y a eu une appétence à se faire vacciner en France. Et on a rattrapé le retard. Vous voyez d'où on partait, hein, c'est comme... aux Jeux Olympiques, si on part de très loin. Mais là, on est un des meilleurs du monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que on ne veut pas avoir le vaccin? Eh bien, j'ai interrogé certaines personnes, et notamment, j'ai été amené à voir une infirmière anesthésiste qui avait décidé de ne pas se faire vacciner, mais qui acceptait de me rencontrer. On a discuté pendant une heure, bon, juste avant la suspension, hein. Et elle m'a expliqué, je lui ai demandé pourquoi, je pense que ça lui a fait du... elle a dit que ça lui avait fait du bien de discuter, et elle m'a expliqué pourquoi elle ne voulait pas se faire vacciner. La peur, elle a peur. Alors la peur, ça existe, on a peur des araignées, on a peur des serpents, on a peur des souris, c'est une peur irrationnelle. On ne sait pas pourquoi on a peur, mais on a peur. Et en réalité, il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui vont donner des arguments pour dire que finalement, ils ne veulent pas se faire vacciner parce que ceci, parce que cela, parce que on ne connaît pas les effets secondaires, parce qu'on a peur pour soi, mais pour la suite. Mais en réalité, c'est pour cacher cela, parce que peut-être, on n'ose pas le dire. Mais cette personne me l'a dit, clairement, moi j'ai peur, et je n'arrive pas à maîtriser cette peur. C'est-à-dire que si je voyais le vaccin, c'est comme s'il y avait une mygale qui se posait sur ma main. Voilà. Alors, ça ne se maîtrise pas, mais ça se traite. La phobie, lorsque vous ne pouvez pas prendre l'avion pour aller aux Maldives, vous baignez, vous allez voir le psychologue, il vous fait un traitement par hypnose ou par EMDR et vous allez pouvoir reprendre l'avion. Eh bien, on va peut-être faire ça pour tous ceux qui sont réticents au Covid. Alors, le problème de la peur, c'est que c'est une peur pour soi. Ce n'est pas une peur pour les autres. C'est ça, c'est que finalement, on a peur uniquement qu'est-ce qui va m'arriver à moi, ma santé. Alors que finalement, alors je vais faire une comparaison qui va vous sembler un peu déplacée, mais le militaire français qui est au Mali et qui lutte contre le djihadisme, il n'a pas peur de se prendre une balle. Et pourquoi il est là-bas? Il n'est pas là, il est là-bas pour nous, pour éviter les attentats qui peuvent survenir sur le sol français. Il a une démarche totalement altruiste. Hein, voilà. Donc, le problème de la peur, c'est que plus on est cerné par les mygales et les souris, et plus on devient agressif. Et vous voyez bien ce qui se passe. Plus on avance vers l'obligation vaccinale, et plus il y a de l'agressivité, et plus il y a des difficultés. Bah, vous voyez ce qui se passe notamment aux Antilles. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé effectivement des appartenances politiques. On sait aussi que les personnes qui sont non vaccinées, qui sont contre la vaccination, sont de milieux socio-économiques plus faibles que ceux qui sont vaccinés. Peut-être parce que
les réseaux sociaux ou une question d'éducation. Voilà. Alors, faut-il faire maintenant, je vais terminer par, faut-il faire la troisième dose? Bah, depuis midi, vous savez qu'il faut faire la troisième dose, donc vous vous êtes inscrit sur Doctolib, à moins que vous l'ayez déjà... Mais est-ce qu'il faudra faire une quatrième dose, docteur? Mais comment voulez-vous que je réponde à cette question? On me pose la journaliste il y a deux jours. Je ne suis pas Madame Soleil. Et je ne sais pas. Je vous dirai lorsque nous aurons fait les études. Et nous faisons les études puisque à Orléans, nous avons une des cohortes les plus importantes en France et même sur le plan international qui nous permet de publier dans Nature, justement, sur l'évolution des anticorps après les vaccins. Pfizer, AstraZeneca, Janssen, etc. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, le graphique que je vais vous montrer, c'est ce que nous obtenons. C'est-à-dire, là, vous avez la montée de la cohorte Pfizer avec nos anticorps. Je suis partie de la cohorte, hein. Donc, après la deuxième dose, les anticorps montent. Alors, voilà. Le seuil d'efficacité, c'est environ 200. Hein. 200, entre 100 et 200, on va dire, pour pouvoir être efficace. Ça, c'est 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 12 semaines. Vous voyez les anticorps qui se cassent la figure. Hein. Et puis là, on est à week 28. Donc environ 6 mois après, on n'a plus d'anticorps. Donc, qu'est-ce qu'on se fait? Une troisième dose. Et voilà, on s'est fait la troisième dose. Pour la plupart d'entre nous, fin août, début septembre. Et alors là, on a boosté, on est monté à 4000 à peu près, alors que la deuxième dose, on était arrivé à 200, à 2000. Donc, combien de temps ça va durer? J'en sais rien. 6 mois? 1 an? Nos prélèvements sont partis à l'Institut Pasteur il y a une dizaine de jours. On devrait avoir déjà les résultats. Deux mois après la vaccination, et on pourra vous répondre. Mais bien évidemment, on n'est pas à l'abri de cette quatrième dose, voire de cette cinquième dose. On n'en sortira que lorsque le Covid sera totalement éradiqué de la surface de la Terre, comme la variole a pu l'être. Alors, qu'est-ce qui se passe en région centre et Orléans? Eh bien, ça, c'est le taux d'incidence du Covid, là, en ce moment, semaine 24. Semaine 44, donc là c'était, je pense, la semaine dernière. Donc ça monte, et aujourd'hui, hier encore, un jeune patient, 22 ans, obèse, non, je ne voulais pas me faire vacciner, aujourd'hui il est en réanimation, 22 ans. Et quand je lui demande pourquoi vous n'êtes pas fait vacciner, est-ce que vous ferez une autre personne qui sort de réanimation? Bon, vous avez prévu de faire votre dose de rappel, puisque lui, il n'avait pas été vacciné, il a fait le Covid, il est passé en réa. Vous allez faire dans 6 mois votre dose de rappel, puisque vous savez que lorsqu'on a le Covid, on fait une première dose environ 6 mois après. Oh ben oui, docteur, c'est prévu, il n'y a pas de problème pour ça. Donc là, vous voyez, les gens qui ont le Covid, qui ont essayé de passer à travers les mailles du filet, ils se retrouvent à l'hôpital. Je leur dis, mais oui, mais vous prenez la place de quelqu'un qu'on n'arrive pas à apprendre qu'il y a une maladie infectieuse ou qui se trouve en réanimation et qui prend une place de quelqu'un qui sortirait qui aurait une pathologie qui nécessite une réanimation. Mais les places de réanimation ne sont pas extensibles, elles ne le seront plus d'ailleurs, elles ne le seront plus comme on l'a fait en première et en deuxième vague. Et donc qui est-ce qui en souffre aujourd'hui des personnes Covid qui sont non vaccinées et qui viennent? Alors vous me direz, oui mais il y a des personnes non vaccinées qui viennent aussi. Ben, ceux qui viennent et qui sont vaccinés, ils ont d'abord des Covid plus légers et il faut qu'ils aient la troisième dose. On voit effectivement. Et puis le vaccin, ça ne marche pas à 100%, ça marche à 92%. Voilà. Et pour terminer, effectivement, voilà également le schéma. Effectivement, il y a des diapos qui sont passés à l'as. Mais ce n'est pas grave, tant mieux.
Et puis voilà, le taux de positivité qui est en train de monter, hein, donc qui est corrélé avec, et puis c'est vrai, on a les listings des positifs tous les jours. Il y a encore trois semaines, il y a ou un mois, il y avait le listing 250 personnes étaient prélevées, aucun positif. Aujourd'hui, 30. Voilà. Donc... Alors, je fais une petite enquête pour savoir quel est le taux de couverture vaccinale des animaux de compagnie. Je pense qu'il est supérieur à celui des humains. Parce que les vétérinaires, eux, ils ont l'intelligence d'envoyer un petit papier pour dire « Votre chien doit se faire vacciner et avoir son rappel contre la pyroplasmose. » Ce n'est pas le cas des humains. Voilà, je vous remercie. Merci, merci, merci Thierry. Évidemment, gardez vraiment les questions pour après, parce que je suis sûr qu'il a beaucoup, beaucoup de questions. On l'a compris, il faut écouter les scientifiques. Hein, et quelques slides qui sont passés à l'as, mais quelques slides politiques qui sont apparus, dont on n'a pas vu. Donc, merci Thierry. C'était très, très intéressant. La société évolue. Nous, on parle aujourd'hui science et conscience, parce qu'on est conscient aussi que la société, il y a 200 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, n'est plus la même qu'aujourd'hui. La société aujourd'hui, le médecin a besoin de convaincre beaucoup plus qu'il y a 50 ans. La parole des médecins avant, elle n'est plus aujourd'hui. Et nous, il n'y a pas que les scientifiques dans la société où on peut assimiler, on peut comprendre rapidement ce qui a été expliqué aujourd'hui. La société est composée de plusieurs spécialités et on peut imaginer que quelqu'un qui n'est pas scientifique, il met beaucoup plus de temps, on met beaucoup plus de temps pour le convaincre. Donc d'où science et conscience. On ajoute sur ça, pour venir pour la prochaine présentation d'Aurélia, science et conscience, on est dans un pays de droit, effectivement. Il y a ce qu'on essaie de convaincre les gens pour se faire vacciner, mais aussi il y a le respect de droits de chacun dans cette société. Et je veux passer la parole à Aurélia pour nous expliquer un peu tout ça, mettre le cadre social par rapport à la vaccination. Permettez d'enlever le masque, ce sera peut-être plus simple pour la présentation. Alors, il y a quelques mois, l'inquiétude grandissait face à la déferlante de la Covid-19. Et le vaccin donc, est apparu comme une solution favorable qui permettait à la fois de protéger les individus, mais aussi de nous permettre d'envisager un retour à une vie normale. Il apparaissait donc essentiel de permettre un accès large à cette vaccination et d'inciter, voire même de contraindre, les individus à se faire vacciner. Parce qu'il faut évidemment savoir que la vaccination n'est pas simplement une obligation, c'est également un droit. Un droit qui est protégé, garanti par certains textes, et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme. Mais n'oublions pas que la vaccination ne constitue pas un acte anodin. Il s'agit d'inoculer une substance étrangère dans le corps d'un individu. Il s'agit donc d'un acte qui touche à la sphère intime, qui est farouchement protégée par les droits fondamentaux. Ce qui va nous conduire à nous interroger notamment sur la question de l'obligation vaccinale. Peut-on imposer la vaccination et dans quel cas ? Mais également, quelles sont les mesures qui peuvent être imposées pour pouvoir contraindre cette vaccination. Cette obligation de vaccination, elle se confronte effectivement aux droits fondamentaux, mais elle est tout de même nécessaire parce que, nous allons le voir, elle entraîne certaines conséquences. L'obligation vaccinale est prévue par la loi. Il existe une obligation qui est spécifique, qui s'impose donc à certaines catégories socio-professionnelles, comme les professionnels de santé, évidemment, les militaires, entre autres, mais également une obligation vaccinale générale qui s'impose à tous. Cette obligation de vaccination donc, s'est élargie
à partir de 2017, c'est-à-dire que l'on est passé de 3 vaccins à 11 vaccins obligatoires pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 et imposés donc par le Code de la santé publique. Ces vaccins obligatoires, nous les connaissons puisqu'il s'agit des 3 vaccins donc, qui existaient auparavant, mais les 8 autres vaccins sont des vaccins qui existaient auparavant, ce sont des vaccins qui étaient jusqu'alors simplement recommandés et qui sont devenus obligatoires. Ça s'affiche un petit peu mal, mais peu importe, on va le commenter ensemble. Si on s'intéresse à la place de la vaccination en Europe et surtout à l'état du droit français par rapport à l'Europe, on s'aperçoit que le modèle français ne constitue pas du tout le modèle dominant en Europe. En effet, l'obligation vaccinale est assez peu représentée, finalement, à peu près un tiers des États européens, en 2018, imposaient l'obligation vaccinale. La différence également se note par rapport au nombre de vaccins obligatoires, de 1 à 10 vaccins obligatoires sur les 10 vaccins les plus fréquemment imposés. La France, avec son obligation vaccinale et ses 9 vaccins obligatoires, donc sur les 10 vaccins les plus fréquents, finalement représente une réglementation assez stricte. Pourquoi une réglementation assez surprenante par rapport aux autres droits, notamment donc certains droits des pays européens ? Parce que la vaccination, effectivement, l'obligation vaccinale, se heurte aux droits fondamentaux. Notamment le principe de respect du corps humain, qui est protégé par les articles 16 et suivants du Code civil, mais aussi et surtout le droit au respect de la vie privée et familiale, imposé donc par, enfin protégé plutôt, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pourquoi cet article est important ? Parce que les différentes juridictions ont été interrogées justement sur la question de la validité de l'obligation vaccinale par rapport à cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. On peut citer quelques décisions notables. La première, c'est la plus récente, donc une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 août 2021. Il s'agissait dans ce cas de l'obligation vaccinale des pompiers face au vaccin donc, de la Covid-19 qui était remise en question. C'est une décision qui est intéressante parce qu'il s'agit de la seule décision pour le moment qui concerne la Covid-19 face à la Cour européenne des droits de l'homme. On va être tout de même très déçus parce que la procédure qui avait été introduite était une procédure d'urgence dans les cas de risque réel de dommages irréparables. Et la Cour a simplement répondu que dans ce cas, la mesure d'urgence n'était pas possible puisqu'il n'y avait pas de situation d'urgence. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de décision finalement qui a pu être prise par la Cour sur la conformité de l'obligation vaccinale à la loi. Si on retourne en France, une décision du Conseil d'État du 6 mai 2019. Il s'agissait cette fois-ci de se demander si l'obligation vaccinale et l'extension de l'obligation vaccinale aux 11 vaccins en 2017 étaient bien conformes aux différents droits. Le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité physique et au respect de la vie privée. Ce qui est intéressant, c'est moins la décision en elle-même que les justifications qui ont été retenues. En effet, le Conseil retient tout d'abord la gravité des maladies. En effet, la plupart des maladies étaient très graves et, dans certains cas, mortelles. Ce qui veut dire que le Conseil d'État a bien retenu que pour cette vaccination, pour ces vaccinations obligatoires, il existait un intérêt général de vacciner donc la personne pour protéger l'ensemble de la population, mais également un intérêt personnel pour l'individu qui était vacciné. Le Conseil d'État retient également l'efficacité de ces vaccins, puisque, comme je vous l'ai annoncé, les 11 vaccins qui sont devenus obligatoires sont des vaccins connus. Et l'on sait, il est scientifiquement prouvé, que ces vaccins donc, présentent une grande efficacité. Et enfin, le Conseil d'État a retenu évidemment la nécessité d'imposer ces vaccins pour pouvoir atteindre une couverture vaccinale satisfaisante. Autre point très intéressant de cette décision qui concerne des précisions par rapport aux vaccins contre l'hépatite B.
Le virus contre l'hépatite B présente une certaine caractéristique. Alors, je parle sous le contrôle des médecins. Ce virus se transmet soit de la mère à l'enfant, soit par la voie du sang, soit par les voies sexuelles. Ce qui veut dire, comme l'a relevé le Conseil d'État, que pour les enfants, il ne présente pas d'intérêt direct. Il n'y a pas d'intérêt immédiat à vacciner les nourrissons contre l'hépatite B. Pourtant, le Conseil d'État va valider la légalité donc, de cette obligation vaccinale pour ce vaccin en retenant que le fait d'inoculer de façon précoce ce vaccin allait permettre une protection immunitaire plus élevée. Ce qui veut dire que le Conseil d'État a tout de même relevé qu'il existait un intérêt personnel à l'enfant de se faire vacciner contre l'hépatite B. Autre jurisprudence récente et importante, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 8 avril 2021. La Cour, d'entrée, annonce que l'obligation vaccinale, qui représente une intervention médicale non volontaire, n'est pas conforme à l'exercice du droit à la vie privée. Déjà, elle pose effectivement ce principe. Elle admet bien évidemment une exception. L'obligation vaccinale peut effectivement être reconnue dès lors qu'elle est légitime et proportionnée au regard de l'objectif qui est recherché. Elle en a bien sûr conclu, dans ce cas des vaccins qui étaient imposés, que cet objectif était bien atteint et donc on pouvait imposer ces vaccinations. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que la Cour prend également le temps de rappeler que les législateurs, lorsqu'ils vont forger leur droit à la vaccination et l'obligation vaccinale, doivent prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant pour pouvoir donc imposer ces vaccinations. Si on se tourne à présent outre-Atlantique, on peut s'apercevoir qu'aux États-Unis, la jurisprudence a retenu exactement le même raisonnement. C'est une décision Jacobson contre Massachusetts de 1905 et qui concerne l'obligation vaccinale contre la variole. La Cour suprême américaine, comme le Conseil d'État ou la Cour européenne des droits de l'homme, a validé l'obligation vaccinale en retenant qu'il s'agissait finalement d'un exercice raisonnable du pouvoir de police de l'État et dans ce cas qu'il n'y avait donc pas de violation des droits qui étaient protégés par la Constitution américaine. Alors qu'en est-il finalement de l'application de ces jurisprudences au Covid-19 ? Peut-on finalement transposer le droit actuel à la situation du Covid-19 ? Si on se rappelle, les cours nous ont expliqué qu'il fallait que cette obligation vaccinale soit à la fois légitime et proportionnée au but poursuivi. Quels sont les éléments qui sont pris en compte ? Ils sont multiples. L'efficacité du vaccin, le rapport bénéfice-risque qui doit être positif et l'intérêt à la vaccination pour l'enfant. Ces éléments, malheureusement, ne semblent pas démontrés pour le Covid-19. En effet, il n'est pas démontré que ce virus mette en péril la vie de l'enfant. Alors, pas pour les cas particuliers des enfants fragiles, mais de façon générale, il a été démontré que les enfants atteints ne développaient pas des formes graves en général. Il n'est pas non plus scientifiquement démontré qu'une inoculation précoce du vaccin contre la Covid-19 puisse permettre une protection immunitaire plus importante chez l'enfant. Ce qui voudrait dire que la seule justification à l'obligation vaccinale pour la Covid-19, pour les personnes non fragiles, comme les enfants, reposerait finalement sur l'intérêt général exclusivement et non pas un intérêt personnel. Un intérêt général, évidemment, justifié par le principe de solidarité sociale. Alors, bien entendu, il s'agit d'une entreprise extrêmement louable sur un plan moral. Mais juridiquement, il apparaît que cette jurisprudence actuelle n'est pas transposable en l'état à la situation de la Covid-19. Pourtant, cette obligation vaccinale, comme je vous l'ai annoncé, elle est importante parce qu'elle permet de générer certaines conséquences. Nous n'en citerons que deux particulièrement importantes. C'est la question de l'indemnisation du préjudice lié au vaccin. Et là, je renvoie à ce que disait effectivement le professeur Prazuc. Ce qui va freiner les personnes à se faire vacciner, c'est la peur.
et effectivement la peur des effets secondaires. Alors finalement, que se passe-t-il et que se passera-t-il si l'on découvre des effets secondaires suite à l'inoculation du vaccin ? Le droit prévoit un régime spécifique pour les vaccins obligatoires. Pour les vaccins obligatoires, l'ONIAM va se charger de l'indemnisation, donc l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Ça signifie qu'il n'y aura pas besoin d'une action en justice. Il suffira donc de remplir un formulaire auprès de l'ONIAM qui proposera une offre d'indemnisation. Soit la victime accepte et est indemnisée, soit elle refuse et dans ce cas, elle pourra engager des poursuites judiciaires. Pour les vaccins, par contre, qui ne sont pas obligatoires, donc qui sont simplement recommandés, il n'existe pas donc de procédure spécifique, il faudra donc engager la voie normale, c'est-à-dire une action en justice sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux contre les laboratoires. Ça signifie que l'indemnisation sera beaucoup moins évidente à obtenir. Pour diverses raisons, notamment parce qu'il va falloir introduire une action en justice, ça signifie engager des frais de justice pour la victime, ce qui n'est pas le cas dans la procédure spéciale, puisque l'ONIAM prend en charge toutes les analyses. Il faudra également prouver l'existence d'un lien de causalité, c'est-à-dire que la victime devra prouver que c'est bien l'inoculation du vaccin qui a généré son dommage. Et enfin, la dernière difficulté qu'il va falloir donc franchir pour la victime, eh bien, c'est la possibilité d'exonération du laboratoire qui est prévue par le Code civil. En effet, le Code prévoit qu'à partir du moment où, au moment de la mise en circulation du vaccin, l'état scientifique, des connaissances scientifiques ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un risque et d'une dangerosité du vaccin, eh bien, les laboratoires ne seraient pas considérés comme responsables. Alors, face à la Covid-19, mais également au vaccin contre la grippe H1N1, on a retenu des exceptions. Ça signifie que pour le virus contre le corona, pour le vaccin pardon, contre le Covid-19, même si ce vaccin n'est pas obligatoire, il bénéficiera du régime spécial des vaccins obligatoires. Ce qui signifie, je ne l'espère pas, mais si des effets secondaires se manifestaient suite au vaccin contre la Covid-19, eh bien, il sera possible de bénéficier de cette procédure spéciale et donc d'obtenir réparation via l'ONIAM. Le deuxième enjeu du caractère obligatoire porte sur le secret médical. On en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce secret médical, bien évidemment, est protégé par le Code de la santé publique. Mais le Code prévoit la possibilité d'émettre des exceptions qui doivent être évidemment spécifiques et prévues donc par la loi. Dans le cadre de la Covid-19, une exception a été prévue. C'est la loi du 11 mai 2000 qui a permis le traitement et le partage de données sans le consentement de l'intéressé. C'est cette loi donc, qui a permis de pouvoir récolter des données concernant le test positif éventuel d'une personne, mais également ses différents cas contacts. Mais la question s'est posée de façon beaucoup plus délicate concernant le secret médical des élèves. En effet, il est nécessaire pour les chefs d'établissement d'avoir accès à certaines données. Les chefs d'établissement vérifient déjà pour les vaccins obligatoires si les élèves sont bien vaccinés pour pouvoir leur donner accès aux différentes structures. Le problème s'est posé par rapport à la Covid-19. Et on en parlait d'ailleurs, Michel Blanquer en parlait il y a quelques heures seulement, de la possibilité donc de faire tester donc les enfants pour savoir si en cas de cas positif, les enfants pouvaient rester donc à l'école ou devaient au contraire s'isoler. Donc la question s'est posée de savoir comment donner accès aux chefs d'établissement aux informations médicales des enfants par rapport à la Covid-19. Il n'était pas possible d'insérer ce vaccin dans la liste des vaccins obligatoires puisque, par définition, le vaccin contre la Covid-19 n'est pas obligatoire. Alors un amendement du 21 octobre 2021 a permis la levée médicale des élèves. Du secret médical pour les élèves, bien sûr uniquement pour la Covid-19.
Alors cet amendement a suscité évidemment beaucoup de débats houleux et évidemment le Conseil constitutionnel a été saisi et quelques jours plus tard, l'amendement a été censuré. Effectivement, le Conseil constitutionnel a considéré que cette situation particulière ne permettait pas de justifier à elle seule la levée du secret médical pour les élèves. Ce qui veut dire qu'actuellement, la seule déclaration sur l'honneur des parents ne peut que s'appliquer. Mais le dernier enjeu de cette vaccination, de cette obligation vaccinale, est évidemment d'imposer certaines mesures contraignantes. Ces mesures contraignantes liées à la vaccination sont de deux sortes. On a évidemment des sanctions, mais également certaines restrictions, dont le pass sanitaire que vous avez dû présenter. Qu'en est-il des sanctions ? Il existait une sanction particulière liée à la vaccination, qui était le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale. Il s'agissait d'une infraction punie de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. On a une décision d'ailleurs relativement récente du 14 décembre 2015, donc du tribunal correctionnel d'Auxerre, qui a donc condamné des parents qui n'avaient pas fait vacciner leur enfant. Alors cette décision a été extrêmement discutée et très discutable parce que dans cette hypothèse, dans cette situation, à l'époque, le vaccin qui était disponible, le seul vaccin qui était disponible, ne prévoyait pas uniquement une protection contre les 3 vaccins obligatoires. C'est-à-dire que ce vaccin était forcément combiné avec un autre vaccin simplement recommandé. Ce qui veut dire que les parents avaient le choix. Soit ils faisaient vacciner leur enfant, et donc ils se conformaient à l'obligation de vaccination, mais dans ce cas, ils devaient accepter l'inoculation d'un vaccin supplémentaire uniquement recommandé, ce que les parents se refusaient à faire, soit eh bien, ils s'abstenaient tout simplement de la vaccination et dans ce cas, ils étaient en infraction. Voilà pourquoi ils ont été condamnés tout de même à 2 mois de prison avec sursis, mais une sanction finalement plus légère que ce qui était à craindre. Le Conseil d'État est donc intervenu quelques mois plus tard et a enjoint le ministre de la Santé à prendre des mesures pour que soient mises à disposition des vaccins qui ne contenaient donc que les vaccins obligatoires. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en 2017, on a, comme je vous l'ai annoncé, étendu la vaccination, c'est-à-dire qu'on est passé de 3 à 11 vaccins obligatoires, mais en même temps, on a abrogé, on a supprimé l'infraction du refus de se soumettre à l'obligation vaccinale et donc la sanction qui était assignée. Ce qui veut dire qu'on a décidé, le législateur a décidé, d'ouvrir cette vaccination, mais de ne pas agir sur la sanction, mais plutôt d'essayer de convaincre au maximum les personnes à se faire vacciner et donc à jouer sur la confiance dans les vaccins. À noter toutefois que cette extension de la vaccination n'a pas prévu d'exemption. Outre, évidemment, les contre-indications médicales qui sont particulières. Pourtant, ces exemptions auraient tout à fait pu être retenues, puisque si on regarde le modèle américain, elles existent bel et bien. Le système américain est un petit peu particulier parce que la question de la vaccination ne relève pas de la loi fédérale, ce qui veut dire que chaque État va se doter de sa propre réglementation sur la vaccination et donc adapter finalement cette réglementation à sa population. On peut donc constater que 44 des États retiennent une exemption pour des raisons religieuses et pas moins de 15 États acceptent les exceptions d'ordre religieuse mais également les exceptions d'ordre personnel. Le fait qu'il n'y ait plus d'infraction, que cette infraction spécifique à la vaccination ait été supprimée, ne signifie pas qu'il n'existe plus de risque quant à la vaccination. Il existe toujours une infraction particulière, la soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé de son enfant. Ce n'est pas une infraction spécifique à la vaccination, mais elle est susceptible de s'y appliquer. Elle est sanctionnée plus lourdement, puisqu'on va jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Toutefois, l'application de cette infraction à la vaccination va soulever une double difficulté. Tout d'abord, dans certains cas, cette infraction peut reposer sur un paradoxe. En effet, on l'a annoncé tout à l'heure avec cette peur,
une grande partie des parents qui refusent la vaccination pour leurs enfants, qui s'y opposent, le font parce que, justement, ils craignent les effets secondaires. Il est donc assez paradoxal de reprocher à des parents de ne pas s'inquiéter en quelque sorte de la santé de leurs enfants, alors que peut-être ils s'en inquiètent trop pour refuser cette vaccination. Deuxième difficulté, cette infraction suppose un risque pour la santé de l'enfant. Or, dans le cas justement de la Covid-19, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, il n'est pas démontré que ce virus puisse mettre en péril la vie de l'enfant. Ce qui veut dire qu'en l'état actuel du droit, si le vaccin contre la Covid-19 devenait obligatoire, il n'y aurait a priori aucune infraction qui pourrait s'y appliquer et donc aucune sanction pénale. Le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale a disparu et la soustraction par un parent à ses obligations mettant en cause donc la santé de son enfant, a priori, ne verrait pas de justification à s'appliquer. Qu'en est-il enfin des restrictions ? Il existe un principe général constitutionnel d'égalité des droits. Ce principe prévoit que les individus doivent se voir imposer les mêmes obligations et doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits dès lors qu'ils se trouvent dans la même situation. Il est possible toutefois de les traiter différemment, mais à condition que cette différence de traitement soit bien en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Quelles sont donc les sanctions, les restrictions qui sont envisagées ou envisageables et sont-elles conformes au droit ? On peut prendre tout d'abord l'exemple qui nous vient d'Australie, du versement d'aide à la famille. En Australie, ce versement d'aide est conditionné à la vaccination des enfants, ce qui veut dire que si les enfants ne sont pas vaccinés, eh bien les aides ne seront pas versées. Donc c'est une situation en Australie, mais qui ne s'applique pas en France. La deuxième restriction, c'est le refus d'accès aux établissements scolaires que nous connaissons en France. La Cour européenne des droits de l'homme, dans la décision d'avril 2021, que nous avons donc commentée ensemble, s'était justement intéressée à la question de savoir si ce refus d'accès ne pouvait pas être contraire justement à l'intérêt de l'enfant, à l'intérêt supérieur de l'enfant. Évidemment, la Cour en a conclu bien évidemment, ce refus d'accès n'était pas conforme aux droits de l'enfant. Toutefois, elle a mis en balance, finalement, ce refus d'accès avec les bénéfices de la vaccination pour l'enfant et on a conclu que, finalement, ce refus d'accès était légitime, en tout cas, il était légitimé par ces bénéfices de la vaccination et donc ce refus d'accès n'était pas contraire aux droits fondamentaux. Autre restriction, évidemment, c'est le pass sanitaire. Alors, le Conseil d'État a été interrogé justement sur la question de ce pass sanitaire et il en a conclu que ce pass sanitaire ne créait pas de discrimination dès lors qu'il n'était pas limité au simple certificat de vaccination. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on supprimait dans le pass sanitaire la possibilité de présenter un test négatif, a priori, le pass sanitaire ne serait plus valable, en tout cas si on en suit la position du Conseil d'État. Alors je suivais donc avec attention il y a quelques heures ce que disait donc le ministre Olivier Véran. On a réduit donc la durée la validité du test est passée de 72 heures à 24 heures, mais on a tout de même conservé la possibilité, même si elle reste un peu hypothétique, mais on a conservé la possibilité de présenter un test négatif pour pouvoir bénéficier de ce pass sanitaire. Enfin, la dernière restriction traite évidemment de la question du confinement ciblé, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors évidemment, il faut rappeler que le confinement général est évidemment contraire aux droits fondamentaux, et notamment l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui assure une liberté d'aller et venir. Ce qui justifie qu'on ait mis en place, l'État ait mis en place donc, ce système d'état d'urgence sanitaire, puisque si l'état d'urgence sanitaire n'avait pas été déclaré, il n'aurait pas été possible d'imposer certaines lois restrictives de ces libertés. Alors qu'en est-il de la possibilité d'un confinement ciblé, c'est-à-dire un confinement uniquement des personnes non vaccinées dans le cadre de la Covid-19 ? Eh bien, on se trouve face à une difficulté. Il n'est pas scientifiquement prouvé que les personnes non vaccinées
augmente de façon très importante le risque de contamination. Alors, il est démontré effectivement que les personnes non vaccinées puissent plus contaminer, mais peut-être pas de façon suffisante pour justifier un confinement ciblé. Ce qui voudrait dire dans ce cas que le confinement ciblé serait davantage justifié par la volonté de protéger les personnes non vaccinées d'une contamination et donc de les protéger de la maladie. Ce qui nous amène évidemment à nous demander s'il est possible dans ce cas de protéger une personne, donc ces personnes non vaccinées, contre leur volonté. Le droit de façon générale s'y oppose. Le consentement médical est nécessaire. Il existe évidemment certaines exceptions, mais ce sont des exceptions particulières où le consentement du patient, par exemple, ne peut pas être retenu par manque de discernement, par exemple, ou parce que la personne est physiquement dans l'impossibilité de donner son consentement. A priori, il n'est pas possible de considérer que les personnes non vaccinées soient privées de discernement et donc leur imposer un confinement ciblé. Alors pour conclure, finalement, on peut s'apercevoir que le droit positif, donc le droit actuel, ne semble pas adapté à la COVID-19. On en parle beaucoup de cet intérêt général et cet intérêt particulier, mais effectivement, si on regarde les jurisprudences et la façon dont le droit appréhende la vaccination en France et même dans l'Union européenne, sont mises en balance à la fois l'intérêt général, mais également l'intérêt personnel de l'individu à être vacciné. Dans le cas de la COVID-19, ça signifierait qu'il faudrait accepter, pour l'imposer en tant que vaccin obligatoire, il faudrait considérer que seul l'intérêt général soit suffisant pour pouvoir imposer cette vaccination. Alors c'est une question évidemment d'ordre juridique et on attendra donc la réponse, mais c'est une question d'ordre également philosophique de savoir si l'intérêt général peut suffire finalement à être justifié. Mais pour cela évidemment, je ne suis pas qualifiée et je passe la main donc à un spécialiste. Bien, mais il revient à Sylvien Teul, professeur de philosophie au lycée Jean Zay, de conclure non pas la soirée, mais les intervenants. La transition a été faite finalement. Bon, tel le sage, il intervient toujours en dernier. Voilà, ça va finir par fonctionner. Tu ne crois pas ici. Ça, vraiment. Est-ce que tu veux que je le tourne pour ça ? Peut-être, je ne sais pas si je peux y voir. Peut-être que je vais me débrouiller. Tu regardes ton écran là. Ok. Ouais. Bonsoir à tous. Je remercie donc l'hôpital d'Orléans pour organiser ces soirées qui me semblent vraiment intéressantes et profitables pour nous tous, aussi bien je pense pour le grand public qu'après pour nous en tant que spécialistes d'une discipline, ce qui nous permet de faire des ponts vraiment intéressants. Je pense qu'effectivement le pont entre la médecine, le droit sera évident, je pense aussi dans l'intervention que je vais vous proposer. Puis aussi merci évidemment Pascal de m'avoir proposé de parler de la vaccination, sachant que la première proposition effectivement était en 2019. Et donc la conférence à laquelle vous allez assister n'aura absolument rien à voir avec ce qu'on aurait pu la faire, évidemment, il y a un an. Vous verrez notamment des articles de philosophes qui ont travaillé cette année. Donc là, pour le coup, les travaux sont très, très différents de ce qu'on aurait pu dire il y a ne serait-ce qu'il y a un an. Je vais vous parler en fait d'un problème qui, je pense, est aussi bien soulevé par le grand public quand il réfléchit à ce type de situation que nous vivons
que par les philosophes professionnels. C'est la question de savoir si être refusé la vaccination, c'est être un passager clandestin. Alors, je ne sais pas si cette expression parle à tout le monde. En fait, l'idée d'un passager clandestin, pour être très simple, c'est l'idée de quelqu'un qui va profiter, c'est-à-dire monter dans le bus sans payer son ticket, en fait, hein, et donc monter, profiter de la contribution collective sans lui-même apporter sa contribution lui aussi. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que, bien que cette image soit assez parlante pour réfléchir aux questions d'immunité collective, elle n'est pas forcément très bonne et je vais répondre non. Et je pense que le problème doit être envisagé d'une façon très différente de ce qu'on pourrait penser intuitivement. Donc, alors, pour situer un petit peu les camps, je pense que tout le monde les connaît. Je pense que je pourrais aller assez vite. Mais bon, voilà, en gros, d'un côté, vous avez les opposants à la vaccination, les opposants au pass sanitaire, les opposants parfois aux deux, parfois juste à l'un. Bon, je pense qu'on peut dire que leurs motifs sont assez variés. Parfois, il y a des raisons psychologiques. Parfois, il y a des raisons, je ne sais pas, de mauvaises informations, ce que vous voulez. Mais en gros, il me semble que parmi les choses qui rassemblent, c'est l'idée que la valeur de la liberté est fondamentale et que ce qui pose problème dans une vaccination obligatoire ou dans un pass sanitaire, c'est l'idée d'une restriction de liberté. Donc voilà, ça, je pense que c'est un point commun sur lequel tout le monde adhérera. Et donc, bon, on va essayer de les prendre au sérieux, de se dire, tiens, c'est vrai, est-ce que vraiment c'est une perte de liberté significative et injustifiable ? Pourquoi pas ? Et de l'autre, vous avez, disons, le discours plutôt des autorités qui dit « Oui, mais attention, la liberté, certes, mais la liberté, ça va aussi avec un certain nombre d'autres valeurs. » Et donc là, je m'appuie sur le discours de Emmanuel Macron du 9 novembre, il y a quelques jours, disant « Attention, il y a aussi la solidarité quand même. » Donc être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Donc pas simplement de pouvoir faire ce qu'on veut, mais aussi de se soucier du fait qu'on vit avec d'autres personnes, que l'on peut contaminer, etc. Donc là, je trouve que dans cet argumentaire-là, je le force un petit peu, mais il me semble qu'il y a cette question sans doute ici du passager clandestin. Celui qui ne se vaccine pas, c'est celui qui refuse la solidarité à l'égard des autres, qui profite en quelque sorte de l'immunité collective qui se constitue sans lui-même y contribuer. Voilà, en fait, hein, il semble que l'opposition, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire l'opposition, c'est entre des gens qui disent... La liberté, c'est fondamental, elle n'est pas négociable, il faut la garantir au maximum, on ne doit pas réduire la liberté des individus. Et d'autres qui disent oui, mais en fait, cette liberté, elle n'existe que si on a un minimum de sécurité permettant que les activités aient lieu normalement, quoi. Il est clair que si plus personne ne peut sortir, tellement les risques de tomber malade sont grands, la liberté, en fait, a disparu de fait. Donc ne pas se vacciner, c'est en fait refuser de se montrer solidaire dans une lutte contre un danger collectif. Et c'est donc, en fait, quelque chose de fondamentalement injuste. Donc voilà un peu, je pense, comment on verrait l'opposition. D'un côté, la liberté n'est pas négociable. De l'autre, il y a de la liberté que si on a un minimum de sécurité. Cette sécurité s'obtient par une contribution collective. Bon, alors si on rentre un peu dans les détails, alors cette notion de passager clandestin, c'est une notion qui est plutôt du champ de l'économie, disons, mais qui est assez facile à mobiliser pour la philosophie, pour réfléchir à des questions de justice. Et il me semble qu'en gros, dire qu'il y a une situation de type passager clandestin, c'est de dire qu'il y a un bien, ce qu'on appelle un bien public. Un bien public, c'est un bien qui se caractérise par deux propriétés, qui sont la non-excluabilité, c'est-à-dire la difficulté, voire l'impossibilité d'exclure quelqu'un de profiter du bien en question. Donc par exemple, un air non pollué, vous ne pouvez pas empêcher les gens de respirer, l'air passe partout. Donc si l'air est pur, les gens en profitent, y compris ceux qui ne font pas d'efforts pour garder l'air pur. Des institutions démocratiques, c'est aussi un bien public. On ne peut pas exclure les gens, ou en tout cas très difficilement, l'éclairage public, etc., etc. Ensuite, la non-rivalité, c'est l'idée que si quelqu'un en profite, ça n'empêche pas les autres d'en profiter aussi. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est plutôt le caractère non-excluable. Ensuite, donc, il nous faut aussi un problème de passager clandestin qui apparaît quand il y a un bien public, c'est-à-dire qu'on va se retrouver fréquemment avec des individus qui vont vouloir profiter de ce bien public, mais sans faire les efforts eux-mêmes pour l'alimenter et l'entretenir. Et à partir de là, on risque de se retrouver avec des individus qui vont refuser de contribuer à leur tour en se disant « Mais si les autres profitent sans contribuer, je ne vois pas pourquoi moi je serais un peu le dindon qui fait les efforts pour que les autres profitent de mon propre travail. » Donc c'est à la fois inefficace parce qu'à la fin, les gens vont refuser de produire ces biens publics, et c'est injuste parce qu'on ne veut pas que ces biens publics disparaissent s'ils sont utiles collectivement. Donc voilà, ça, c'est trois points qui sont importants pour qu'on ait un problème de passager clandestin, si vous voulez.
Bon, alors les solutions, je pense que je vais aller assez vite, mais disons, l'étendue des solutions, c'est, maintenant je pense qu'on les connaît. Vous avez des contraintes, confinement, vaccination obligatoire, vous avez des incitations. Les incitations, ça peut être faire payer des tests ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui ne force personne, mais qui incite malgré tout à avoir certaines conduites. On peut essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que le bien public soit excluable, c'est-à-dire créer des zones, un peu sur le mode du pass sanitaire, des zones qui ne sont accessibles qu'à ceux qui ont bien voulu contribuer. Ou bien, voilà, on diffuse des normes prosociales relatives au fait de respecter les gestes barrières, etc., etc. Et donc, philosophiquement, alors là, évidemment, c'est philosophiquement, mais c'est-à-dire, je pense qu'on peut dire que, de manière générale, de telles contraintes ne sont pas légitimes, sauf si on peut montrer que la situation l'exige. Et il est clair que la circonstance, sans doute, l'exige en partie, au moins pour certaines. Mais disons, il faut une justification supplémentaire, évidemment, pour diminuer un certain nombre de libertés. On ne peut pas, par simple plaisir, s'amuser à empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Donc la question, évidemment, après, c'est est-ce que les circonstances l'exigent et dans quelle mesure, dans quelle proportion. Là, c'est vrai que c'est un travail fin qui est plus difficile à faire, je pense, pour nous, philosophes. Et là, c'est là que le juriste permet de faire un travail plus fin. Mais après, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un problème de passagers clandestins? Je pense que déjà, on peut dire que ce n'est pas du tout la bonne approche. Et je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi. Et pour le coup, ça permet aussi de réfléchir au type de mesures qu'on met en œuvre, d'une part, et puis surtout, le type de justification qu'on donne quand il s'agit de les mettre en place. Hein, parce qu'au fond, là, moi, mon positionnement sera surtout quand même la question de la justification. Bon, alors voilà, est-ce que cette immunité collective, c'est-à-dire le fait d'avoir, je sais pas, des gens qui sont vaccinés, donc qui ne contaminent pas les autres, est-ce qu'on peut parler d'un bien public ? Voilà, en gros, hein, alors l'argument pour dire que ah, oui, c'est un bien public, il faut le protéger, attention aux passagers clandestins, en gros, c'est de se dire, bah, si vous arrivez à atteindre l'immunité collective par rapport à une maladie donnée, et que les gens se disent, bon, ben maintenant que l'immunité est constituée, j'ai pas tellement intérêt à me vacciner parce que de toute façon, je sais que les gens ne vont pas me contaminer puisqu'ils sont vaccinés. Ben alors, dans ce cas-là, les gens ne vont pas être incités à se vacciner puisqu'ils ont quasiment aucun risque de l'attraper grâce au fait que les autres ont fait les efforts. Donc, je vais pas me faire vacciner. Et évidemment, si vous généralisez cet argument, ben plus personne ne se vaccine et l'immunité collective disparaît, tout simplement parce que tout le monde se dit « tiens, je compte sur les autres pour se vacciner ». Voilà. Ben, je pense que ce raisonnement, en fait, il est familier, on l'a tous en tête, et en même temps, il a un truc incorrect, et donc je vais essayer de vous montrer ce qui me semble ne pas aller du tout. Donc hein, voilà, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire le point le plus important, je pense, c'est le point numéro 2 qui s'affiche au tableau, c'est de dire que pour qu'il y ait un problème de passagers clandestins, il faudrait qu'on puisse profiter donc, de l'immunité collective et en même temps y contribuer. Et ça, c'est ce qui, en fait, n'est pas vraiment possible dans notre situation. Donc il y a plein de circonstances où c'est bien le cas. Par exemple, quand vous payez vos impôts, à la fois vous contribuez et puis vous bénéficiez des services publics. Donc là, vous êtes à la fois profiteur et contributeur. Sauf que dans la situation qui est la nôtre, c'est pas possible pour une raison qui en fait est assez simple et que je veux vous présenter. Alors pour quelle raison ? Ben, en fait, qui profite de l'immunité collective ? Ben, en réalité, ça ne peut pas être les personnes qui se sont vaccinées puisque par définition, étant vaccinées, elles sont protégées par leur vaccination à elles, leur vaccination individuelle. C'est-à-dire que les personnes qui profitent de l'immunité collective ne peuvent être que des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc, le bien public, il est en gros inaccessible à ceux qui payent leurs impôts. C'est-à-dire, c'est un truc un peu paradoxal, une situation pas familière, mais dans laquelle les personnes qui se sont vaccinées ont leur protection individuelle qui leur suffit. Et si on bénéficie de l'immunité collective, c'est qu'on n'y a pas contribué. Donc là, je trouve que cet argument est fort simple. Voilà, il a été publié il y a quelques mois, là, par deux philosophes, dont un étudiant, d'ailleurs. Je pense que c'est une bonne idée d'un étudiant. Et puis le prof, derrière, a dit « Allez, je publie, c'est super bien comme truc ». Donc c'est très simple. Et en même temps, ça, je pense que ça marche extrêmement bien. C'est de dire « Bah oui, en fait, finalement, il ne peut pas y avoir de passagers clandestins, tout simplement parce qu'il faudrait que quelqu'un puisse profiter et contribuer à la fois. Et ce n'est pas possible ». Alors, ce qui veut quand même bien dire que c'est un bien public, hein, l'immunité collective, mais c'est un bien qui n'est pas soumis à des problèmes de type passager clandestin, qui,
qui en fait ne peut pas vraiment être exploité ou être utilisé par des individus qui voudraient profiter du travail des autres. Voilà, j'avance. Alors, il y a eu aussi un autre article, il y a quelques, encore plus récent, il y a 2 mois, je crois, qui disait non, mais quand même, cet argument, il n'est pas bon, en fait. Il ne va pas, parce que l'immunité collective, ce n'est pas uniquement la diminution du risque de tomber malade. C'est aussi beaucoup d'autres choses, notamment le fait d'avoir des hôpitaux qui ne sont pas saturés, le fait d'avoir moins de recours au confinement, le fait d'avoir une disparition ou une diminution du risque de nouveaux variants, etc. Et ça, tout le monde en profite. Et en fait, voilà, on pourrait parler d'effets externes ou d'externalités qui sont positives. Le fait de se vacciner produit tout un tas d'externalités sur l'ensemble du système social et du système de santé qui est positif, y compris quand ça, on ne l'utilise pas soi-même. Sauf que cet argument me paraît un peu faible parce que, en réalité, quand on y réfléchit, là encore, à nouveau, les personnes qui profitent d'un système hospitalier qui n'est pas saturé, c'est essentiellement les personnes qui risquent d'y aller. Donc, à première vue, les personnes non vaccinées également. C'est-à-dire celles qui, justement, ne font pas porter de gros efforts sur le système de santé parce qu'elles sont vaccinées, sont un peu indifférentes au fait que le système de santé ne soit pas saturé. Donc, bon, je précise le presque, qui est quand même important, bien sûr. Il ne faut pas exagérer le truc. Mais presque, en gros, essentiellement, pour la grande majorité, c'est essentiellement les personnes non vaccinées qui ont le plus besoin des mesures de type confinement, de type d'hôpital qui fonctionne encore bien, etc., etc. Donc en fait, c'est toujours notre problème, c'est très difficile d'être à la fois contributeur et profiteur. On est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux, quoi. Bon, voilà, ça, c'était le premier point que j'attaque, c'est-à-dire est-ce qu'on peut profiter et contribuer à la fois ? Non. Le deuxième, ça va être, je reviens sur mon truc, ça serait de dire il serait mieux, à titre individuel, de ne pas contribuer. Ça, c'est extrêmement important pour avoir un phénomène de passagers clandestins. Si je vous demande si vous avez le choix entre profiter des services publics sans payer les impôts et profiter des services publics en les payant, en général, vous dites si je suis un peu rationnel et cynique, autant ne pas les payer. Donc en général, pour avoir un passager clandestin, il faudrait qu'on ait intérêt à ne pas contribuer. Et là, en fait, vous allez voir, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je pense qu'on l'a déjà dit plus ou moins, mais est-ce qu'il est rationnel de se vacciner ? Pas vraiment. Oui, justement, je mélange. Oui, il est bien sûr rationnel à titre individuel de se vacciner, c'est-à-dire personne ne va vouloir échapper à la vaccination dans la mesure où on considère que le vaccin est efficace et qu'il n'expose pas trop les gens à des risques. Et globalement, voilà, donc refuser de contribuer, en fait, ici, c'est refuser de se vacciner, c'est-à-dire se mettre soi-même en danger. Donc après, évidemment, ici, je raisonne à partir d'un individu qui est normalement rationnel et informé de manière correcte. C'est sûr. Après, si on met en place d'autres aspects, la peur, les aspects affectifs ou le manque d'informations, ça se complique, c'est sûr. Mais disons, voilà, si vous raisonnez en termes de situation, de problème de solidarité, problème d'individu qui profite du travail des autres, il faut supposer que l'individu a un comportement globalement rationnel. Et de fait, s'il est globalement rationnel, il va considérer que ça vaut le coup. Voilà, ça, je pense que je peux avancer. Voilà, peut-être une représentation qui me paraît parlante et qui est... je pense, intuitif quand même, au fond, peut-être même si vous n'aimez pas les graphiques, c'est de dire finalement, un individu confronté au problème de savoir si oui ou non il doit se vacciner, il peut se représenter les coûts et les bénéfices de cette manière. Donc la ligne rouge, c'est les coûts, et la ligne bleue, c'est les bénéfices. En gros, les coûts pour une personne sont toujours les mêmes, quel que soit le taux de vaccination dans la population. Les coûts, c'est, les risques à court terme et long terme de développer des effets secondaires. C'est peut-être l'effort que ça coûte de sacrifier une demi-journée. Enfin, voilà, ça peut être le coût éventuellement du vaccin. Mais les coûts sont toujours les mêmes. Par contre, les bénéfices, ils sont très variables. Ils sont variables en fonction du niveau de vaccination de la population. Si personne n'est vacciné dans une population, le risque de tomber malade est très élevé. Donc le bénéfice du vaccin est absolument énorme. Si la vaccination progresse dans une population, le risque de tomber malade est beaucoup plus bas, l'utilité du vaccin diminue mécaniquement. Et donc, si vous voyez le truc, c'est qu'il y a forcément un point où le rapport entre coût et bénéfice s'inverse. Il y a forcément un point où ça devient moins intéressant de se vacciner que de ne pas se vacciner. Alors évidemment, la question de savoir quel est ce X qui est le point de bascule, c'est une question compliquée qui dépend de la virulence de la maladie, qui dépend des doutes sur
l'efficacité du vaccin. Mais en attendant, il y a bien un X au-delà duquel ça ne devient pas intéressant, mais toujours à titre individuel. Donc là encore, c'est-à-dire que si vous dites oui, mais c'est des passagers clandestins, ils vont profiter du système, etc., en réalité, tant qu'on est en dessous de ce X, les individus ont intérêt à se vacciner. Et donc plus vous avez de gens qui refusent de se vacciner, plus la vaccination est utile, importante et intéressante. Donc ce n'est pas du tout une situation typique de problème de passagers clandestins qui profitent de la contribution des autres. En fait, en réalité, c'est plutôt un problème ici d'établir l'équilibre entre, disons, l'intérêt d'aller encore plus loin dans la vaccination et, disons, les risques supposés ou pas du vaccin, quoi. Voilà. Évidemment, c'était très compliqué de se connaître ce seuil qui va dépendre aussi des maladies et des vaccins. Mais en tout cas, il y a un seuil au-delà duquel ça devient moins intéressant. Je sais pas, moi je pense y compris pour les maladies plus rares qui sont presque éradiquées, on pourrait imaginer de se dire tiens, il faut aller, on a 95% de couverture vaccinale, est-ce que ça vaut le coup d'aller à 99 voire 100%? Probablement la plupart du temps c'est même pas très intéressant, donc il y a forcément un point de taux dans lequel la question de l'utilité individuelle enfin, ne se pose plus. Voilà, après évidemment, alors là on voit peut-être pas très très bien, mais on pourrait imaginer qu'une personne surestime les coûts et au contraire minimise un peu les bénéfices. Alors là, mécaniquement, le nouveau taux qui fait le point de bascule, il sera beaucoup plus bas. C'est sûr que si une personne s'imagine qu'en fait le vaccin n'est pas très utile et par contre les effets secondaires sont catastrophiques, évidemment la personne va commencer à estimer qu'il n'y a plus utilité de poursuivre une politique vaccinale, alors même que en fait ces informations par exemple peuvent être en partie erronées. En tout cas, voilà, l'essentiel étant que, quelle que soit notre situation, on a un point de bascule où l'utilité individuelle change. Troisième moment, puisque en fait là, mes deux premiers moments sont un peu négatifs, ils détruisent une certaine idée, c'est de dire finalement, c'est pas vraiment un phénomène de passagers clandestins. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste en fait si on considère que c'est plutôt positif de vacciner? À partir de quelle justification on le donne? Est-ce que ça ne pose pas un problème, malgré tout, de ne pas se vacciner? Je pense qu'on peut dire que oui, il y a bien évidemment un problème moral au refus de vaccination, mais il faut l'envisager d'une façon assez, assez différente. Bon, alors, ma porte d'entrée, je pense que c'est aussi une question de méthode. C'est de se dire, ne pas trop s'embarquer trop vite dans des considérations paternalistes. Paternalisme, c'est ce dont tu parlais, Aurélia, tout à l'heure, c'est-à-dire de dire finalement, on va considérer que les gens ne sont pas vraiment responsables de ce qu'ils font, donc on les vaccine par la force, mais c'est pour leur bien, en fait. Ça peut être une position défendable, mais elle a un côté un peu trop facile, un peu trop brutal pour être vraiment satisfaisante. Ce qui serait, il me semble, plus intéressant, c'est de partir d'une perspective plus libérale et d'essayer de voir si on peut justifier une forme d'obligation depuis une perspective globalement libérale. Et comme exemple de philosophe libéral, je propose de partir de John Stuart Mill, le philosophe anglais du 19e, qui estime que la seule bonne raison pour mettre en place une législation, c'est d'empêcher que des torts soient infligés à autrui. Et que si aucun tort n'est infligé à autrui, on ne peut pas justifier une interdiction. Dans ce cas-là, en fait, le problème, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais en fait, la question, c'est est-ce qu'une personne qui refuse de se vacciner est quelqu'un qui est en train d'infliger un tort à autrui? Et que peut-être c'est pour cette raison-là qu'on pourrait l'obliger à se vacciner, par exemple. Bon, évidemment, ce n'est pas direct. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement dire qu'une personne qui ne se vaccine pas nuit à quelqu'un d'autre, parce que, de fait, statistiquement, il peut très bien se passer qu'elle ne nuise à personne et que ça se passe très bien. Ou alors, elle est particulièrement peu sociable, elle ne sort pas de chez elle. Dans ce cas-là, elle ne croise personne, elle ne contamine personne. Donc, elle pourrait dire « Oui, mais moi, je n'ai rien fait, donc je ne vois pas pourquoi vous me forcez. » Donc, on ne peut pas donner un argument trop direct non plus. Néanmoins, on peut donner un argument d'ordre un peu collectif, c'est-à-dire que l'ensemble de toutes les petites probabilités qui s'additionnent finissent par produire statistiquement des phénomènes qui sont mesurables et identifiables sur des grands groupes. Si vous augmentez le taux de mortalité de 1 pour 1000 pour un individu, ça peut très bien se passer pour lui, mais pour 70 millions de Français, 1 pour 1000, ça fait déjà beaucoup, quoi. 70 000. Donc voilà, c'est-à-dire que les probabilités, ça devient des morts réelles à partir du moment où vous avez un groupe important, quoi.
Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se dire, après tout, on ne peut pas tolérer une action comme ça, qui, certes, individuellement, est complètement indifférente, mais collectivement, participe à former un problème social considérable. Alors là, c'est un texte qui a été écrit un petit peu avant la période de confinement, mais c'est un texte qui, je trouve, assez frappant, parce que c'est un philosophe, qui est un Jason Brennan, qui est un libertarien. C'est-à-dire, un libertarien, en gros, c'est le libéraliste plus, quoi, qui considère que moins il y a d'État, mieux c'est, et que les individus devraient être libres absolument de faire ce qu'ils veulent. Une sorte d'anarchiste, si vous voulez, un peu à la façon américaine, c'est-à-dire avec un côté capitaliste aussi. Et réfléchissant à la vaccination, on se dit, bah oui, en fait, on peut admettre une sorte de principe des mains pures, c'est-à-dire qu'on doit interdire aux individus de faire des actions qui, même si individuellement elles sont innocentes, finissent par participer à donner un résultat global qui, lui, est franchement négatif. Donc ça peut être, par exemple, la pollution. Si je pollue un tout petit peu avec ma voiture, ça ne va absolument pas changer la qualité de l'air. Mais si tout le monde peut en faire autant et qu'à la fin, l'air est irrespirable, ça pose clairement un problème collectif. Et on peut probablement limiter la pollution essentiellement à cause de ce phénomène de cumul de tous les effets. Idem pour la vaccination. On peut très bien considérer qu'il faut vacciner parce que le cumul de toutes les petites augmentations de risque finit par produire un résultat totalement catastrophique. Voilà, je trouve donc en fait assez intéressant de voir qu'une approche même très très libérale peut tout à fait arriver à se mettre d'accord sur un principe tel que des contraintes ou des obligations sur la base en fait du principe de non-nuisance, mais appliqué d'une façon collective, en disant sinon on laisse passer collectivement une nuisance considérable. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Deux mots de conclusion. En fait, je me disais pour relier ça à des questions aussi un petit peu plus concrètes, c'est la question de la justification qu'on donnerait du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire. Et je me dis que, dans le fond, le type de justification qu'on donnerait pour l'un et pour l'autre sont, au fond, assez différentes. Il me semble que le pass sanitaire, il est vu comme un outil pour résoudre ce problème du passager clandestin. En disant le passager clandestin, il veut profiter du système sans contribuer, il faut donc lui donner des petites incitations du genre pouvoir aller au restaurant, pour le faire changer de comportement et le pousser à la vaccination. Et il me semble que ce que j'ai essayé de vous montrer, cette justification, elle n'est pas bonne. Et en tout cas, si on justifie le pass sanitaire, il ne faudrait pas le justifier sur la base de l'idée que c'est une petite incitation qui va décider les gens. Il me semble que si on prend au sérieux l'idée qu'après tout, en ne se vaccinant pas, on fait courir un risque, en fait, ici, ce n'est pas simplement des incitations qu'il faut considérer, c'est effectivement une interdiction d'empêcher les individus de nuire aux autres. Et il me semble que la vaccination obligatoire, elle répond davantage à cet objectif de dire qu'on ne peut pas nuire aux individus, surtout d'autant plus qu'on est en grand groupe pouvant produire un effet considérable. Et donc, dans ce cas-là, on peut très bien considérer que la vaccination obligatoire s'impose. Je trouve que c'est un résultat assez paradoxal, parce qu'à première vue, la vaccination obligatoire paraît encore plus liberticide que le pass sanitaire. Sans doute, mais la justification me paraît quand même meilleure sur le fond, même si après, évidemment, on peut en discuter de... Philosophiquement, ça me semble bien plus solide, effectivement, que cette idée d'une incitation à l'égard d'individus qui, en fait, peuvent potentiellement nuire à d'autres. Parce qu'en fait, on n'incite pas des individus à changer quand ils ont réellement une nuisance. Voilà, donc, hein, enfin, en gros, hein, l'idée, c'est pas tout à fait un problème de solidarité, en fait. Quand Emmanuel Macron, au départ, disait « il n'y a pas de liberté sans solidarité », en fait, non, c'est qu'il n'y a pas de liberté supportable si on a le pouvoir de nuire à d'autres personnes. Mais par contre, c'est absolument pas une affaire de solidarité. Et voilà, je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus. C'est un peu provocateur, je pense, mais il me semble qu'il y a quand même cette idée que peut-être une erreur de diagnostic sur la vision ordinaire que l'on se fait de l'antivax comme un profiteur de l'immunité collective, ce qui, je pense, n'est pas vraiment le cas. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une approche très, très, très intéressante, parce qu'il y a l'approche de punir par le pass sanitaire, mais il y a aussi l'approche de dire on doit être conscient et ne pas aggraver une situation d'autrui en participant à cela. Les débats s'ouvrent. Donc, nous avons les intervenants ici. Donc, on va se déplacer, nous, avec les micros, mais on ne va pas vous donner le micro. Ce n'est pas par peur que vous partiez avec, mais c'est qu'on va le garder, effectivement, pour éviter...
de l'échanger entre nous. Donc le débat est ouvert. Donc si vous avez des questions, oui. Oui, alors Isabelle Buquet, pharmacien, j'avais une question plus pour Thierry Frazuc. C'était concernant les anticorps, en fait. Quand tu as parlé de l'étude sur les anticorps, c'est des anticorps neutralisants que tu fais faire des dosages en fait à l'Institut Pasteur. Et en fait, il circule une idée quand même générale qu'on peut faire des anticorps dans n'importe quel laboratoire. Et est-ce que tu connais une corrélation entre justement les dosages d'anticorps qui sont faits dans les laboratoires et puis des anticorps neutralisants faits à l'Institut Pasteur ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui disent « Moi, je ne veux pas faire une troisième dose, alors je vais me faire faire un dosage d'anticorps. » Mais je pense que ce n'est pas la même chose que les taux d'anticorps dont tu parles à l'Institut Pasteur, non ? Non. Ce qui est fait à l'Institut Pasteur et qui est assez unique au niveau international, c'est qu'ils utilisent les différents virus, les variants. Donc, on travaille sur le, ils travaillent sur le vaccin, sur le virus initial, l'alpha, le bêta et le delta. Hein, et ils mettent en présence le sérum du donneur. Ils le diluent jusqu'à ce que les anticorps ne soient plus en capacité de détruire. Et en fait, lorsqu'on regarde les taux d'anticorps qui nous sont donnés, on va avoir, après la troisième dose, on va monter à 115 000, par exemple, sur l'alpha, sur l'anglais. L'anglais, c'est la rigolade. Alors qu'on est à 4 000 sur le delta. Hein. Lorsqu'un laboratoire de ville rend un titre, c'est pas sur l'alpha, le delta, c'est globalement. Et on ne sait pas très bien l'interpréter. Parce que ici, à l'hôpital, on a un système qui permet d'avoir un titre supérieur à 400, ou supérieur à 100. Donc on dit, si on est supérieur, c'est bon, mais comment l'interpréter, c'est quand même assez difficile. En tout cas, si on est à zéro avec le laboratoire de ville, on sait qu'on n'en a pas. Si on en a un certain nombre, c'est pas interprétable et il n'y a pas de corrélation entre les deux. Le chiffre de 200 que j'avais donné, c'était sur une étude anglaise qui était sur l'alpha en réalité. Hein. Donc il y a une étude qui et l'OMS a adopté la BAU à 257, je crois. Bonjour, je suis une personne sans aucune ni connaissance scientifique ni rien. Je m'intéressais plutôt à ce que vous aviez dit, vous, en tant que philosophe. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, moi, ce que je trouve très dur, c'est cette espèce de dichotomie, justement, qui existe entre ceux qui se vaccinent, ceux qui ne se vaccinent pas, et toute l'agressivité qui en sort de part et d'autre, d'ailleurs. Donc je regrette qu'il n'y ait pas de gens qui soient contre le vaccin, finalement, on aurait pu au moins en parler. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Non, mais en parler, pas s'engueuler, en parler, quoi. Et les choses ne sont pas si évidentes que ça, ni pour nous qui sommes plutôt a priori pour le vaccin, ni pour les autres, j'imagine. Qu'est-ce que vous entendez par solidarité ? Vous dites que ce n'est pas un problème de solidarité. On entend beaucoup ça, hein ? Ah, vous n'êtes pas solidaire, donc j'aimerais bien que vous creusiez ça. Disons, l'idée de solidarité, c'est l'idée d'être, de participer collectivement à former un bien collectif, un bien public. Et l'idée de solidarité, elle se pose par rapport au fait que des individus peuvent être tentés de faire moins d'efforts ou même pas d'efforts du tout à la constitution de ce bien public, bien collectif. L'immunité collective, clairement, ressemble un peu au fait d'avoir un air pur. L'immunité collective permet aux individus de circuler dans des lieux sans courir le risque de tomber malade. Donc il est clair que c'est un bien public. Après, si on estime que chaque individu doit contribuer à la formation de ce bien public, il est clair qu'on peut tout à fait imposer une vaccination, une obligation vaccinale, etc. Après, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en réalité, non, ce n'est pas tellement un problème de solidarité, tout simplement parce que les individus, à titre individuel, ont intérêt direct à se protéger eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est essentiellement un problème de rationalité individuelle.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, au fond, c'est essentiellement un problème d'information, quoi. C'est-à-dire, il y a des divergences sur l'information et la manière de l'interpréter, et les différences de choix que les gens font entre se vacciner, pas se vacciner, est liée à la manière dont ils lisent cette information. Je ne pense pas que ce soit au fond un problème moral à proprement parler, mais par contre, qu'il y ait un problème d'information, oui, ça c'est sûr. Je trouve ça intéressant pour lever cette agressivité, que je trouve extrêmement difficile à vivre dans cette société-là. Je dirais effectivement que ce n'est pas forcément une bonne idée d'insister sur le fait, mais attention, vous êtes responsable à l'égard des autres, blablabla. Bla, bla, bla. Non, en fait, pensez à vous, en fait, protégez-vous, et après, les autres se protégeront aussi, en fait. Est-ce que vous pourriez aborder la problématique qui peut-être va être importante dans les semaines ou les mois qui viennent concernant la vaccination chez les enfants et comment on peut discuter d'un côté ce que vous avez appelé l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une notion qui est bien connue des pédiatres, et de l'autre côté la notion aussi de la vaccination altruiste pour un enfant qui n'a pas encore forcément le bon sens de pouvoir raisonner autour de ça. Alors, ce qui pose problème, c'est ce que je disais, c'est que quand on voit l'état du droit actuel, c'est vrai qu'on justifie toujours par l'intérêt général et par l'intérêt personnel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, imposer la vaccination chez l'enfant pose effectivement des problèmes parce que si on ne regarde que l'intérêt supérieur de l'enfant et donc l'intérêt direct, on va dire, de l'enfant à la vaccination, comme le fait le droit actuellement, j'ai pris l'exemple de l'hépatite B, dans ce cas, il n'y a pas de justification légale à la vaccination chez les enfants, parce qu'elle ne serait pas légitime. Alors, on peut le faire, mais à ce moment-là, il faudrait justifier uniquement par l'intérêt général, et donc faire prévaloir cet intérêt général sur l'intérêt individuel, et donc sur l'intérêt de l'enfant. Donc, ça veut dire que l'intérêt de l'enfant donc, passerait, on va dire, outre, mais... Alors, on pourrait considérer que l'intérêt général va englober quelque peu l'intérêt de l'enfant, puisque si on parvient à éradiquer la maladie, ça signifie que l'enfant n'y sera jamais confronté. Donc, dans ce cas, effectivement, on peut considérer que l'intérêt général va englober. Mais pour le moment, l'état du droit considère véritablement l'intérêt, quand on parle d'intérêt supérieur de l'enfant, on parle de l'intérêt direct. Donc, dans ce cas, on aurait du mal, effectivement, à justifier. Mais il faudrait donc travailler sur l'appréhension de cet intérêt général et donc l'étendre. Est-ce que sur le plan épidémiologique et virologique, on peut obtenir l'immunité collective sans concevoir que le niveau de vaccination chez les enfants dépasse un certain seuil ? Oui, non, mais je dirais que... La vaccination des enfants, je ne sais pas si elle deviendra obligatoire. Je sais qu'il y a un certain nombre de parents qui n'attendent que ça pour faire vacciner leurs enfants. Mais bien évidemment, tout le monde ne sera pas vacciné. Alors, l'intérêt qu'ils voient les parents à ce que leurs enfants soient vaccinés, c'est que s'ils sont vaccinés, ils peuvent rester à l'école et donc ils n'ont pas besoin de les garder. Donc, il y a aussi l'intérêt pour les parents qui devient important. Après, pourquoi est-ce qu'on vaccine les enfants ? Pas pour les protéger, effectivement, parce qu'ils ne vont pas être malades, mais pour protéger ceux qui sont non... C'est pour protéger ceux qui sont non vaccinés, les adultes. Donc, en fait, on réglerait plus facilement le problème en vaccinant tous les adultes. Et à ce moment-là, les enfants, ils se contaminent entre eux et puis ils acquièrent une immunité collective naturelle. Mais il faut d'abord que tous les parents soient et tous les autres soient vaccinés, puisque c'est eux qui vont venir à l'hôpital. En France, il n'y a pas encore de recommandation sur les enfants. Non. Alors que par exemple aux États-Unis, par exemple pour la grippe, il y a une recommandation pour y compris chez les jeunes enfants pour vacciner contre la grippe aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, je ne sais pas pour la Covid, mais pour la grippe, c'est certain. Oui, la Covid, il y a une recommandation de vacciner les enfants et en Israël aussi. À ma connaissance, les enfants des États-Unis n'ont pas moins de droits, entre guillemets, que... Mais là, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. C'est une recommandation, je suis d'accord. En Europe,
recommandation, c'est juste d'un point de vue scientifique. Par contre, sur la légalité, il n'y a pas eu la vaccination chez les enfants n'est absolument pas imposée, ni aux États-Unis, ni en Israël. Moi, j'avais donc deux petites questions. Une première question pour monsieur Thiol, sur votre présentation concernant le passager clandestin. Donc, vous avez raisonné en termes de bien public, même si je conteste votre analyse du bien public, mais vous n'avez pas raisonné en termes de risque. Donc, les personnes qui refusent la vaccination, vous dites, finalement, elles ne contribuent pas au bien public. Mais en revanche, elles accroissent le risque, non seulement collectif, mais aussi de manière très directe, en embolisant les services de réa et en surchargeant les hôpitaux, en concentrant les ressources médicales là où peut-être elles pourraient être utilisées dans d'autres secteurs. Donc ce n'est pas qu'un problème d'un bénéfice dont bénéficieraient les non-vaccinés sans contribuer au bien commun, c'est aussi... C'est plutôt en ces termes-là que je le réfléchis, c'est plutôt un risque qu'ils font courir à la collectivité, et pas seulement un risque théorique, mais un risque très concret dont le docteur Prasuc est le témoin quotidien. Donc ça, c'était une question pour vous. Et puis, une deuxième question, alors, qui reste à la fois à la juriste et puis au médecin, puisque là, on nous a parlé d'une troisième dose de vaccin. Alors moi, j'aimerais avoir un petit peu idée sur la stratégie la plus à même à mettre en œuvre pour lutter contre la, je ne sais plus quel numéro de vague, hein, je crois que c'est la cinquième, bon, je ne sais très bien où on en est, parce qu'on parle de booster, on parle de troisième dose, mais qu'en est-il des 6 millions de non-vaccinés? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une stratégie finalement qui se concentre sur des personnes qui sont disposées à obtenir une troisième dose, et est-ce qu'on n'est pas en train de laisser tomber ceux qui refusent la vaccination? Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace d'imposer une vaccination obligatoire pour tout le monde plutôt que d'insister sur un rappel après les deux précédents doses? Alors, je parle en termes juridiques, hein, mais aussi en termes médicaux. Qu'est-ce qui paraît le plus pertinent? Si je peux juste répondre sur le... Ah, pardon. Ah oui, pardon. Disons, en fait, cet argument du risque, je l'ai coupé en deux, en fait. Le point qui me paraît incontestable, au contraire, c'est plus qu'un risque. En fait, c'est une nuisance directe. C'est-à-dire que la somme de petites probabilités de contaminer des individus, à l'échelle d'un individu, c'est juste une probabilité, mais à l'échelle d'un groupe, ça devient des dommages réels et identifiables avec des personnes qui vont tomber malades et qui peuvent potentiellement mourir. Donc là, pour le coup, ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment une nuisance qui est causée à d'autres individus. Dans le passager clandestin, oui, il n'y a pas de problème. Il profite d'un bien, mais il ne fait pas courir de risque au bus. Oui, c'est-à-dire, c'est pas du tout un problème de passager clandestin, voilà. En effet. Non, mais c'est pour ça que j'étais étonnée de votre de long, parce qu'en fait, enfin. Vous voulez dire, ça vous paraissait évident que ce n'était pas une affaire de passager clandestin? Oui. Visiblement, ce n'était pas le cas pour Emmanuel Macron, parce que solidarité, ça fait référence à passager clandestin. Je pense que dans la littérature... La solidarité n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que la solidarité, ce n'est pas simplement apporter un bien supplémentaire. Ça peut être minimiser les risques. La solidarité, il ne faut pas la penser uniquement en termes positifs, il faut aussi la penser en termes de limiter les risques que vous faites courir collectivement. On ne parle pas de solidarité quand on demande à quelqu'un de ne pas nuire aux autres. Enfin, si il est vraiment question d'une nuisance, c'est quelque chose qui doit être interdit, tout simplement parce qu'on ne veut pas que dans une société, les individus puissent se nuire mutuellement. La solidarité, c'est davantage le fait de se grouper ensemble, d'un travail conjoint pour la production de quelque chose. Et puis par ailleurs, il y a quand même ce truc qui est effectivement les individus profitent d'un bien public. La définition de la solidarité, c'est pas forcément une définition topique. Hein. Je veux dire, la solidarité peut consister aussi à limiter collectivement les risques au bénéfice de la communauté et pas simplement obtenir un gain supplémentaire. C'est-à-dire que, là-dessus, c'est une définition que vous donnez, mais qui n'est pas. Je veux dire, le principe de solidarité, c'est aussi. Il y a toute la réflexion sur l'assurance, la sécurité sociale, etc., c'est aussi la limitation des risques. Ce n'est pas simplement le bénéfice supplémentaire.
Oui, mais si vous donnez l'assurance, c'est vraiment justement un pur exemple de solidarité. Et là, pour le coup, ça a vraiment très bien marché, au sens où l'assurance est soumise à un problème de passagers clandestins, c'est-à-dire d'individus qui vont vouloir profiter d'un système de santé sans contribuer en payant les frais de sécurité sociale. Là, c'est vraiment une situation très, très différente de situation dans laquelle les individus peuvent vraiment nuire à d'autres. L'assurance, le problème de l'assurance, c'est effectivement les purs passagers clandestins et d'avoir un système hospitalier, etc., qui fonctionne bien, tout en voulant payer le moins possible de cotisations sociales. C'est là qu'il y a un problème de solidarité, non ? Alors, enfin, on ne parle pas de la même chose. Moi, je crois vraiment que la solidarité ne se définit pas uniquement par une augmentation du bien. Et puis, en plus, l'exemple que vous donnez, c'est-à-dire on contribue et on ne peut pas être à la fois contributeur. C'était quoi ? On peut pas être à la fois... Contributeur et profiteur. Ouais, c'est ça. Ben, si, en fait. Ben, la deuxième partie, c'était la critique de l'argument, c'est de dire en fait il y a aussi un aspect qui est peut-être on peut profiter d'hôpitaux pas saturés ou d'avoir à éviter des confinements, mais en fait ceux qui profitent ici en l'occurrence c'est encore ceux qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui sont vaccinés en fait n'ont pas grand-chose à profiter. Ceux qui sont vaccinés, ils peuvent aussi avoir d'autres maladies que le Covid. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'avais bien précisé un presque parce que ça marche pas. Vous êtes vacciné et vous pouvez pas avoir un rendez-vous suffisamment rapidement. Oui, c'est vrai. Parce que les services sont saturés et que les gens sont épuisés, je peux vous dire que vous avez contribué et vous n'avez pas bénéficié. Hein. Enfin, c'était plus dans le sens qu'ils ne profitent pas du Covid. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, d'ailleurs, je pense que sur ce sujet, vous dites à peu près sur certains points la même chose. On va continuer. Ce point-là, on le prendra autour d'un verre tout à l'heure. Donc, on peut continuer cette discussion. On va passer sur le côté juridique plutôt. Oui, alors, sur l'obligation vaccinale, je suis tout à fait d'accord. C'est que si on avait retenu l'obligation vaccinale, effectivement, on aurait pu imposer en principe la vaccination. Alors, sur un argument non juridique, ça aurait été peut-être davantage rassurant, je pense, personnellement, parce que finalement, annoncer aux personnes « vous avez un vaccin, mais vous êtes libre d'accepter ou non », c'est quand même inquiétant parce qu'on a le sentiment qu'en cas de risque, finalement, de risque secondaire, hein, d'effet secondaire, finalement, c'est la responsabilité du patient, c'est l'individu qui a accepté ce vaccin. Alors, c'était un peu le cas pour l'hépatite B. Alors, je me souviens, moi, personnellement, quand j'ai fait vacciner mon bébé, quand le médecin vous dit y a un vaccin, il est recommandé, mais attention, vous savez qu'il y a des risques. Alors, en tant que juriste, on connaît en plus toute cette jurisprudence sur la sclérose en plaques qui a été développée après l'hépatite B. Alors, je peux vous dire, quand il faut prendre la décision de faire vacciner son bébé, c'est quand même très inquiétant. Donc, finalement, quand on impose le vaccin, c'est rassurant de se dire que l'État... quelque part, va prendre la responsabilité de l'imposer parce qu'il sait que c'est conforme aux intérêts de la personne. Par contre, le problème de la vaccination obligatoire, c'est par rapport à la politique vaccinale qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'en 2017, on a décidé d'étendre la vaccination, mais en retirant l'infraction, donc qu'il n'y ait plus de sanctions pénales, on a décidé de miser sur la confiance dans la vaccination. Alors, on était peut-être bien inspiré en 2017, mais alors le problème avec la Covid, c'est que ça va être compliqué d'imposer une obligation vaccinale et de réintroduire maintenant la sanction alors qu'on l'avait supprimée. Donc finalement, dire on a une obligation vaccinale pour la Covid, mais il n'y a pas de sanction derrière, ça risque peut-être d'être un peu paradoxal sur un plan juridique. Alors, sur un plan médical, évidemment, il y a ces problèmes juridiques. On fait une obligation vaccinale qui font que... Comment on fait pour... oui, quelle sanction ? C'est sûr, s'il n'y a pas de sanction... C'est... Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que... qui pouvait dire, fin août, début septembre, qu'on allait avoir une cinquième vague ? Donc, pour ça qu'il y avait 80%, 85%, même dans des populations de plus de 75 ans vaccinées, ça y est, on était sortis d'affaires. Donc, finalement, la pédagogie, elle avait marché. Et puis, il y avait eu un entraînement, tout ce qui avait été... Et puis, ça semblait suffisant. Et puis, on voit que c'est pas suffisant. Donc, on se rapproche, à mon avis, de l'obligation vaccinale, si elle est possible. Mais bon, on aurait pu peut-être y échapper. Alors, en ce qui concerne ensuite, pourquoi vacciner, faire la troisième dose et pas se concentrer sur ceux qui ne sont pas vaccinés ? Bah, parce qu'il faut faire les deux en même temps, parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'hôpital. À partir du moment où on voit que les hôpitaux recommencent à avoir
un flux de patients qui augmente, bon, pas tous les jours, heureusement, moins rapidement que ce qu'on avait vu, à l'intérieur, il y a de ces patients qui viennent, il y a des non-vaccinés en majorité, mais il y a aussi des vaccinés. Donc ces vaccinés-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la troisième dose. Donc si on veut éviter le surcroît d'activité et le débordement des hôpitaux, il faut agir sur les deux sans dire celui-ci est prioritaire par rapport à celui-là. Il faut faire les deux en même temps. L'obligation serait plutôt molle s'il n'y avait pas la sanction derrière. C'est un peu ça qui a été dit. Il faut une obligation parce que derrière, il y a une sanction. Non, c'est difficile à appliquer l'obligation s'il n'y a pas de sanction. Oui, enfin, ceci dit, oui, ce qui voudrait dire que ça la rend plutôt obsolète, quoi, finalement, ou inopérante. Bah oui. Mais il y a quand même dans la vie tout un tas de choses qui sont prévues avec des sanctions et qui n'entraînent pas de comportement particulièrement opérant. Les excès de vitesse, c'est quand même quelque chose de courant, alors qu'il y a une sanction qui est prévue. Donc la sanction n'arrête pas les gens. Et ça pourrait être la même chose, j'imagine, aussi. C'est-à-dire que la sanction, ils la connaissent, c'est pas pour ça que derrière, ils vont se lancer là-dedans. Alors même s'ils savent que, potentiellement, ils pourraient tomber sous le coup de la sanction. Ça, c'est possible. Je reviens aussi sur la relation entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Et il me semble, mais ça, je parle sous le contrôle de Thierry Brazuc, que la relation scientifique n'a jamais pu être établie. Mais la relation juridique a été faite sur le faisceau de présomption, quoi, à visée réparatrice, mais elle n'a jamais pu être établie sur le plan scientifique. Ouais. Bonjour. Moi, je voulais simplement savoir si la multiplication des droits fondamentaux et les conflits qui en naissent ne pouvaient pas simplement être une autre cause de l'impossibilité de la mise en place d'une obligation vaccinale. Pour le Covid, du coup. Donc oui, qu'il y a une contrariété effectivement aux droits fondamentaux. Oui, alors ça, on le voit donc dans l'obligation de vaccination en général, mais c'est pour ça que on recherche finalement un équilibre. Hein, voilà, si le droit, la représentation, c'est la balance, c'est pas pour rien. Donc on recherche justement un équilibre entre ces droits fondamentaux. Le droit, évidemment, de préserver la liberté de chacun par rapport à cette vaccination, mais il y a aussi le droit à la vie qui doit être préservé. Et donc, dans ce cas, on doit pouvoir aussi assurer la sécurité de tous. Donc, on revient encore avec cette notion d'intérêt général. Mais même si ces droits fondamentaux sont un frein forcément à l'obligation de vaccination, on voit tout de même que la Cour européenne des droits de l'homme accepte tout de même des exceptions parce qu'on a d'autres droits fondamentaux qui doivent être protégés. Donc c'est un équilibre entre les droits. Bonsoir. Je suis désolé, je n'ai pas retenu encore vos noms. Alors je vais m'adresser aux médecins. Merci. Vous avez dit que vous êtes tombé sur des patients qui avaient une peur irrationnelle du vaccin. Est-ce que vous êtes tombé sur des patients qui avaient aussi un manque de confiance en nos représentants? Parce que je pense qu'il y a aussi un problème qui vient de là, c'est un manque de confiance envers les représentants. Et si c'est le cas, comment vous avez remédié à ça? Ce que j'ai rencontré, parmi les patients qu'on peut voir et qui viennent à notre consultation et qui ne sont pas vaccinés, on essaie de faire de la pédagogie, ils vont dire... Après, quelle est la véritable raison? Est-ce que... Je ne dis pas que pour tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est la peur. Je dis que c'est un des éléments que j'ai identifié. Il y en a d'autres. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui ont peur, qui ne diront pas qu'ils ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur. Et ils vont dire, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance dans mes dirigeants, je n'ai pas confiance dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, on ne saura jamais quel est le véritable moteur de leur refus. Alors, ça peut être des gens qui disent « Non, non, moi, je suis un gilet jaune et je m'oppose, je vais aller casser. » Et voilà. Et donc, je ne peux pas aller. Alors, le psychologue, il dira, parce que j'en ai parlé à des psychologues, quand il y a des peurs irrationnelles, il y a eu un vécu dans l'enfance, parfois, qui permet d'expliquer. Le psychologue, il arrive toujours à expliquer un truc qui s'est passé dans l'enfance. Hein, et donc, ça peut se résoudre.
Mais voilà, donc c'est difficile de répondre à la question. Mais bien sûr, les gens qui donnent des arguments X ou Y, mais ce sont des arguments. Juste aussi pour donner un complément de quelque chose qui n'a pas été discuté trop aujourd'hui, mais qui est important, c'est la question des normes sociales. C'est-à-dire, en grande partie, le fait d'avoir peur, c'est rarement un frein. On fait plein de choses qui nous font peur et ce n'est pas si gênant que ça. Mais je pense qu'il y a une question de normes sociales. Et ce que je veux dire par normes sociales, c'est qu'est-ce que je pense que les autres vont faire ou qu'est-ce que je pense que les autres auraient fait à ma place. Si on estime que les autres auraient fait exactement comme ça, on le fait aussi, même si ça fait peur. Et le truc, c'est que quand il faut réagir extrêmement vite à un danger qui est nouveau, les normes sociales, elles n'existent pas ou elles ne sont pas très claires. Et donc, on peut très bien se trouver dans des milieux où, effectivement, on a une grande confiance dans les institutions, entouré de gens dont les normes sociales, c'est de se vacciner, il n'y a pas de problème. Et là, naturellement, en fait, on va faire comme les autres. On se dira, après tout, les autres le font aussi. Par contre, si on est dans des milieux où les normes sociales sont assez différentes, plus de méfiance à l'égard des institutions, etc., là, pour le coup... Donc, en fait, je pense qu'en grosse partie, c'est ça aussi qui détermine les individus à agir, c'est qu'est-ce que les autres font. Et je vous parlais tout à l'heure de Jason Brennan, le philosophe, a beaucoup étudié le vote aussi, en se demandant mais pourquoi les gens votent, etc., etc. Et quand on réfléchit à ce qui détermine le vote, c'est-à-dire là encore, quelque chose qui individuellement n'est une contribution que toute petite, qui ne change sans doute pas grand-chose, mais qui collectivement a des grands effets, on se dit mais pourquoi les gens se déplacent alors qu'ils pourraient faire autre chose le dimanche ? Essentiellement, c'est parce que les autres autour d'eux votent ou bien les autres autour d'eux ne votent pas. Et donc voilà, en grande partie, c'est un aspect qu'il faut soulever aussi quand on réfléchit à ça. C'est comment on change des normes sociales en si peu de temps, en fait. En fait, c'est impossible, mais ou presque. Mais... C'est vrai, vous avez raison qu'il y a des personnes qui s'opposent parce qu'ils veulent s'opposer. Comme ça, c'est comme ça. J'ai pas confiance dans les institutions, j'ai pas confiance... dans ce gouvernement, mais voilà, c'est parce que voilà, je sais pas, c'est le philosophe qui peut en parler ou le psychologue qui va dire comment est-ce qu'on peut raisonner ces personnes-là qui ne voudront pas entendre et puis parce que c'est leur posture d'être comme ça, de dire je suis contre. Et ils n'ont pas peur, eux, probablement. Probablement, ce n'est pas ça du tout leur motivation. Vous avez raison. Mais voilà. Non, maintenant, juste sur la peur. Alors, c'est vrai que sur la notion d'effet secondaire, le droit n'est pas particulièrement rassurant parce que dans toutes les décisions, on a quand même justifié l'obligation vaccinale en expliquant que les vaccins avaient bien démontré leur efficacité. Le rapport bénéfice-risque était excellent. Donc, ce n'est pas rassurant par rapport à la Covid parce que, justement, on n'a pas ce recul. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas particulièrement. Mais il faut quand même noter que... Alors, j'en ai pas parlé, mais dans les États européens et autres, d'ailleurs, où la vaccination n'est pas obligatoire, on s'aperçoit que, finalement, le taux de vaccination est quand même très élevé. Ce qui veut dire que même lorsque la vaccination n'est pas obligatoire, dès lors qu'il y a une confiance dans le vaccin, les personnes acceptent volontairement de se faire vacciner. Donc cette peur des effets secondaires, elle existe tout de même, même si ce n'est pas forcément la seule. Une question ici. Bonjour, je n'ai pas de compétences particulières en médecine. Par contre, je voulais vous poser une question qui s'adresse peut-être à vous tous et vous toutes. Dans les années 50, il y avait un mouvement anti-vax, notamment, si j'ai bonne mémoire, anti-BCG. Est-ce que vous avez analysé ce phénomène et le rapproché du mouvement anti-vax actuel ? Est-ce que j'attends. Qui va se précipiter ? Il y a Pascal. Enfin, j'ai pas la réponse à ça, mais on a vu que finalement, les mouvements anti-vax, il y en a eu depuis le départ. Hein. Qui était très organisé d'ailleurs, hein, c'est vraiment ils s'organisaient entre eux. Donc il y a toujours eu ces mouvements-là qui ont depuis le début quoi finalement. Donc le BCG en faisait partie. Il y a eu des mouvements anti-vax aussi avec Pasteur qui ont été durs hein, aussi quand même. C'était pas facile. Ouais, je pense que les arguments étaient à peu près sensiblement les mêmes hein, toujours. Hein. Moi, j'ai retrouvé, parce que je ne suis pas historien du tout, mais donc quand je me suis repenché là-dessus, j'ai découvert que finalement, ça existait déjà et qu'il y avait les mêmes questions. Alors, bien sûr, on peut les actualiser, mais qu'il y avait peu ou prou les mêmes questionnements. Quoi. Et les mêmes motivations, parfois rationnelles, parfois pas très rationnelles. Ouais.
On est toujours attiré par les sirènes de l'irrationnel. C'est le titre d'un bouquin. Mais il y a quand même une chose que je voudrais rajouter sur le problème des anti-vax. Alors, il y en a beaucoup qui sont effectivement convaincus parce qu'ils ont des figures qui parlent et qui tiennent des propos anti-vax. Mais quelle est la véritable motivation d'un certain nombre d'anti-vax? Leur motivation, c'est comme d'habitude, c'est l'argent et le pouvoir. Donc, lorsque à l'IHU de Marseille, la chaîne France Soir, où ils ont juste acheté le nom du journal, hein, ça n'a plus rien à voir, diffuse un certain nombre de reportages, de témoignages en disant l'hydroxychloroquine, les vaccins, tout ce qui est proféré et qui contribue au mouvement anti-vax, eh bien, lorsqu'ils sont interdits par, Facebook, YouTube, etc., ils envoient leurs avocats. Ça veut dire qu'ils ont l'argent de payer des avocats. Et lorsque vous avez 350 000 followers, vous faites de la publicité. Et cette publicité rapporte de l'argent. En fait, et puis, lorsque vous vous appelez Raoult ou Perron et que vous faites un bouquin, ça vous rapporte de l'argent. Mais vous dites que non, vous essayez de protéger les autres. Mais en réalité, derrière, il y a un autre calcul. Et le médecin anti-vax qui va faire peut-être pas de l'homéopathie, mais enfin des médecines naturelles, etc., combien il fait payer le patient pour sa consultation dite spécialisée? Eh bien, bien plus cher que celle qui est remboursée par la Sécurité sociale. On le voit pour la maladie de Lyme, où certains médecins de la région vont faire un certain nombre de thérapies extrêmement bizarres, avec des cuillères et autres, et ils font payer la consultation 70 euros. 70 euros, alors que normalement, ils sont médecins généralistes, c'est 23 ou 25 euros. Voilà. Donc, et derrière, il y a une motivation, ou alors, c'est pas toujours l'argent, c'est aussi le pouvoir. C'est beaucoup plus. On est beaucoup plus facilement audible lorsqu'on dit le contraire de 95% de la population. Là, on se fait entendre. On passe beaucoup plus sur les médias. Les 95, l'unité des 95%, eh ben, lui, personne ne l'écoute. Il est noyé dans la masse. Alors, l'autre, par contre, on va parler de lui. Il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sortent brutalement, des épidémiologistes qui n'ont jamais fait les maladies infectieuses et puis qu'on voit à la télé. Bon, bah, très bien, ils sont très contents d'être dans le poste. Voilà, donc il y a plein de motivations comme ça. Et après, ils sont suivis par un certain nombre de fans. Voilà, c'est comme un club de foot. Hein. On va prendre une dernière question et après on va changer dans l'autre salle, si vous le permettez. J'ai lu à plusieurs reprises que les anticorps générés par une contamination, on va dire naturelle, seraient plus durables que les anticorps induits par un vaccin. Est-ce que c'est réaliste ou voilà, ou est-ce une fake news? Alors on a deux cohortes, en France en tout cas, il y a la cohorte strasbourgeoise des personnels soignants qui ont été contaminés et qui ont été suivis au niveau de leurs anticorps tous les mois. Il y a la cohorte orléanaise. Alors eux c'était que des soignants qui ont été modérément infectés. Et il y a la cohorte orléanaise qui s'appelle AB Covid où on a suivi des personnes qui ont été infectées. Et on a quatre groupes, les asymptomatiques, les modérés, les sévères qui ont été hospitalisés et les critiques qui ont été en réa. Plus c'est été sévère, plus le niveau d'anticorps est monté, notamment ceux qui sont allés en réanimation. Donc plus c'est haut et plus ça descend, ça va descendre, mais ça va être plus long à descendre. Donc l'immunité, donc on a suivi toutes ces cohortes. Là, on avait prévu de les suivre pendant 2 ans, mais on les a revaccinés depuis. Et on a vu que l'immunité naturelle, elle était encore présente à 9 mois, alors que l'immunité vaccinale, ben, on l'a vu à 6 mois. Donc c'est un peu plus long, mais c'est pas fantastique non plus. Hein. Maintenant, les vaccins pour lesquels on fait des rappels, hein, il y en a plein. Hein. Il y a certains, on fait une dose de vaccin, c'est valable toute la vie. Il y en a d'autres, bah, c'est 2 doses. Il y en a d'autres, c'est tous les ans. Voilà. Donc, elle est un peu plus longue, l'immunité naturelle, mais elle n'est pas suffisante.
Merci Thierry. En tout cas, on a remarqué évidemment qu'il faut le dialogue est nécessaire. Il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Je pense que c'est le manque de dialogue. Et aujourd'hui, la société elle a évolué et on a un accès très très facile à l'information, mais l'accès très facile, il a un effet secondaire. Ce qu'on peut aller nous-mêmes sur Internet et chercher des effets secondaires ou mal interprétés ou chercher des fake informations, comme il l'a dit Thierry tout à l'heure. Donc, ce qui manque, c'est le dialogue. Il faut que ce soit les spécialistes ou le gouvernement, il faut qu'il aille plus vers le dialogue. Et peut-être ça permet de répondre à ce qu'il a dit Thierry tout à l'heure. Et ce n'est pas anodin de dire il y a plus de personnes de tels partis politiques qui n'ont pas accepté de se faire vacciner. Et moi, je pose la question, et je n'ai pas la réponse, est-ce que ce n'est pas en lien avec il y a plus de gens, entre guillemets, pas scientifiques qui sont de droite et plus de gens qui sont littéraires qui sont de gauche. Et faisant ce rapport-là, peut-être, je ne sais pas, parce qu'on met plus de temps. Là, vous avez entendu Thierry qui a essayé de mettre sa présentation un peu pour la faire comprendre à tout le monde. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus facile à un scientifique de comprendre les effets positifs du vaccin que quelqu'un qui est littéraire. Et c'est de notre responsabilité, nous, les scientifiques, de parler, d'apporter ces éléments. Il nous paraît très compliqué, nous. Moi, j'entends, j'ai des collègues, des fois, qui parlent sur le plan juridique, je ne comprends rien. Et donc, je vais avoir peur de ces éléments-là parce que je les comprends moins bien que le côté scientifique. En tout cas, merci beaucoup. On va changer juste de l'autre salle pour vous proposer quelque chose à boire et on peut continuer la discussion pour le reste aussi. Je tiens vraiment à remercier nos intervenants. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci à vous d'avoir répondu présent et encore une fois, merci au CHR d'Orléans qui, par cette bienveillance de faire ces présentations-là et ces cycles de conférences en lien évidemment avec l'université, le CNRS et l'université de Tours. Merci.